Oui, allô? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ici Alpha. Nous sommes le 24 septembre 2021. Il est 19h58 et nous nous apprêtons, mesdames et messieurs, à découvrir Diablo. Diablo 2 Resurrected. Attendez, la transition, elle marche plus là. C'est que cette merde là. Pouit, pouit. Oh, ça va pas là. Attendez. Faut que je règle ça. Faut que je règle ça. Ouais. Ah ouais. Eh, vous avez eu aussi la mage Drive, là, relou, là? Putain, j'ai eu ça, là. La mise à jour Drive qui m'a foutu le turbo zbeul. Putain, trop chiant. J'étais là, mais à l'aide. Ils m'ont tout déplacé. J'ai dû rebind tous les trucs que j'avais de lier. Ça m'a rendu dingue. J'ai passé une partie de l'après-midi à faire ça. J'avais envie de canner. Transition. Il me faut la transition. Voilà. Voilà. Et là, maintenant. Et là, maintenant. Incroyable. Elle est revenue, la transition. Let's go. C'est bon, celle de Google, ouais, celle de Google Drive qui a... Il s'était en mode, non, ça s'appelle plus sauvegarder synchronisation, ça s'appelle Drive. Sachant que je crois qu'avant ça s'appelait Drive, donc ça a fait genre a Drive into sauvegarder synchronisation into Redrive. Bien joué Google. Bonsoir tout le monde, coucou, coucou, coucou. Bon, on va pas avoir beaucoup de temps pour l'intro, il est tard, il est déjà 20h. On va lancer le jeu. Mesdames et messieurs, ce stream est sponsorisé par Blizzard Entertainment. Nous allons jouer à Diablo 2 Resurrected, le remake, le remaster de Diablo 2. Très hâte de découvrir ça avec vous. On avait testé l'alpha il y a quelques temps déjà, c'était très sympathique. Et là, on va tester ça en groupe. On sera avec Zerator, joueur du grenier, ainsi que Ken Kojandi. Et on va lancer genre... Maintenant, on va jouer environ 2 heures et après, je pense que je vais aller sur Kena pour essayer de terminer Kena parce que il faut qu'on arrive à caler tout. Il faut caler tout là comme on peut là parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux. Donc voilà. Yo Trauma, comment ça va? Ah merde, Trauma m'a envoyé un message d'ailleurs. Non mais t'inquiète, bon. Trauma qui est en mode, j'ai un starter item de fou là pour assassin. Viens dans ma game en 2-2. Tu le mets et tu le mets coffre. En vrai, attends, on fait ça. Je lance le jeu. Je lance le jeu, mon chat, mon trauma. Je lance le jeu. Comment je fais? Je fais comment? Je lance le jeu vite. Je vais récupérer l'item de trauma. Là. Je récupère l'item de trauma très rapidement. Comment je fais, trauma? Je fais comment? Je vais où? Je lance ma game. Ouais, je suis en ligne. Je suis en ligne. Salon. Salon. Discussion. Ok. 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 Oh, les tutos à l'aide. Comment je rejoins ta game? Rejoins une partie. Comment je rejoins ta partie, trauma? Trauma à l'aide. Explique-moi comment je rejoins ta partie. Explique-nous. Ça cheat déjà. Mais non! En vrai, on fait ça. Mais bien sûr qu'on fait ça. Attends, moi, je suis chaud, hein. Avoir un petit avantage au début, là, moi, ça ne me dérange pas du tout. Putain, mais il n'y a pas de mode rejoindre les amis? Apparemment, ils l'ont pas mis. Il y a nom de partie et mot de passe. Envoie-moi ça en 2-2, là. J'ai besoin. Nom de partie. Et MDP. Bah oui, connard! En petit 2-2, là. En petit 2-2. Ok. Si on ne cheat pas, j'optimise. Exactement. Merci Datiful pour les 24 mois. Merci à toi. L'Infa, 28 mois aussi. Dis-moi Alpha, j'ai noté pour aujourd'hui sur mon agenda demander à Alpha pour l'anecdote du Diabolo oui, Fraise. Je peux m'expliquer. Après l'OP. Merci Wagos, Isdrose, Nantu, Pharos, SFI, SF Dextro. Merci beaucoup. Merci Sefi aussi pour les 39 mois. Merci à toi. Lienosus, merci pour les 13 mois de soutien. Croissounet pour l'année de sub. Psychogège aussi, merci à toi. Tartino Miel, 25 mois, merci beaucoup. Shigari, merci beaucoup. Merci les copains. Merci Iron Ice aussi pour l'année de sub. Cœur sur toi, très cher, pour tous ces bons moments. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci mon cher. Bon, par contre, Trauma me répond plus. C'est-à-dire qu'il me fait pendouiller un petit truc. Je lui dis je suis chaud. Il est plus là. Il a disparu. Je peux pas créer de custom game. Bon bah c'est pas grave. J'aurais essayé. J'aurais essayé. Voilà. Bon, je vais rejoindre les autres en vocal, ils vont m'attendre. C'est pas grave, t'inquiète, Trauma. Et merci beaucoup Minibatten pour le gift de sub à Pouic Pouic le Terrible. Et merci à Romix pour les 21 mois. Merci beaucoup. Vas-y, je les rejoins. Ça va crier ensuite, ils vont piailler. Sur ICQ. Sur Caramel. Bonsoir. Caramel et ICQ. Salut. Bonsoir, bonsoir. Alpha. Comment ça c'est va l'alpha. Ça va et toi? Ça va. Alpha, exceptionnel. Et ouais, alpha, je vois. Jamais joué à Diablo non plus? Bah, j'ai juste fait l'alpha. Voilà. J'ai juste fait l'alpha t'as technique. Joué quand même. J'ai fait le 1. Joué à l'époque où t'avais 3 ans Non, non, moi j'ai fait le 1 quand j'étais beaucoup trop jeune. Et je l'ai fait 1. En entier. Et oh j'étais là. Addict au 1, même si ça me faisait peur. Mais le 2, j'ai pas touché. Ça faisait peur. Ça faisait peur. Le 1, il était flippant.
J'étais le seul, je suis le seul qui avait plus de 15 ans là, à l'époque ou quoi? C'est possible. Et t'as quel âge, Fred? Moi j'ai 63 ans. 63, putain, c'est ouais, j'allais bien. Ouais. Moi j'ai une petite la question. La carte vermeille et tout, raconte comment c'est alors. Ça, c'est bon plan, ça, hein. Ça, c'est bon plan ça. Dans 10 ans, je commence à avoir les réductions SNCF. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, un peu de concentration. Je sens qu'il faut un peu reconcentrer le débat. Est-ce que vous avez déjà regardé, surtout Alpha et JDG, quel personnage vous vouliez créer? Parce que j'ai compris que Kian apparemment voulait jouer barbare. Assassin, barbare. Vu. Ok, barbare. Donc, JDG. Et moi, je veux jouer un truc pas compliqué, moi. Oh, arrête avec ça, ça fait déjà 4 fois qu'il nous dit ça, là. C'est Diablo 2, c'est des mécaniques des années 98, y'a rien de compliqué, hein, c'est bon. Oh, mais wow. C'est vieux. Faut cliquer vite. En vrai, barbare, c'est pas trop compliqué, mais Kian joue barbare, on va pas quand même faire deux barbares, ce serait double barbare. Moi, je joue assassin. Non, mais... J'hésite entre assassin alors, et... Nécro, c'est ouais, bien ouais, sorcière, ok. Trop bien, Nécro, mec. Ah ouais, c'est bien, Nécro. Genre, au début, c'est bien. Ouais, c'est stylé. Non, mais de toute façon, au début, il n'y a rien de très stylé au tout début. Hein. C'est vrai. Vous allez vrai avoir tous deux sorts, vous allez taper au corps à corps, vous allez manquer de mana. Voilà, c'est classique ouais. Quoi. Ouais, classique, ouais. Bon, il faut une bonne synergie de groupe là. Moi, je joue Assassin. Il faut une bonne synergie de groupe. Tu vas jouer Assassin. Je voulais dire un truc ouais. Intelligent, je suis désolé. Bah, JDG, tu peux jouer Amazon, sorcière ou. Ouais, Amazon, sorcière et barbare. Paladin. C'est les trois classes les plus simples, je pense. Paladin. Pourquoi tu joues pas Paladin, mec? Paladin. On s'ennuie. Ah bon? Bah on s'ennuie. Attends, avant. Amazon, assassin. Il y en a un dans mon chat qui fait de l'hyperventilation là. Non, mais bah, je sais pas, sorcière c'est cool ça, des AE, mais je pense qu'au début j'aurais pas d'AE. Non, mais en paladin, voilà, on paladin, s'ennuie un peu. C'est... Non, mais ça devient bien par contre, ça devient incroyable. Ok. Mais au début on s'ennuie un peu. Très bien. Tu voilà, crées quoi. La game ou. Bah, allez, vas-y, sorcière. Et bah, avant de créer la game, faut me dire ce que vous jouez, parce que moi je vais jouer autre chose. Tu joues sorcière, okay. JDG ? Allez, vas-y, je joue sorcière. Allez, bah, je vais prendre Amazon. Il n'y a pas de son dans ce jeu. Ah, c'est parce que je l'ai mute. Pareil, c'est bon, je l'ai. Voilà, hop. Je vais. Alors, est-ce que je dois créer la game ? Mais moi, je vous ai pas tous en Bennett, là. Mais je crois que c'est pas via Bennett. Il n'y a pas de système d'invite d'amis, en fait, je crois. Ah ouais ? Ah ouais. Attends. C'était à l'époque, il fallait aller sur le chat. Ah, si. Et accès des contacts. Et un mot de passe. Accès des contacts, ça y est en fait. Créer une game là. Ouais, en fait, faut lancer. Tu mets genre 4 joueurs max, voilà. Et ensuite, une fois que t'as lancé, les gens peuvent te join dans la game, je pense. Parce qu'il y a écrit accès des contacts à la partie cochée ou non. Non, mais lance-la, très bien. Bon, je la lance vas-y. Du coup. Ouais. Allez. Bon, tu peux pas te tromper, hein. Ouais. Comment ça marche là, du coup, pour te join? Eh ben, je ne sais pas. Là, je lance la partie, ça y est, je suis dedans. J'ai cru que le mec. Alors, les gars, c'est exactement ce qui se passait à l'époque quand on avait nos forfaits premium week-end, soirée week-end de chez Bouygues, les soirées Millennium. C'est t'es où? T'es dans quel room? Attends, je te trouve pas. Attends, c'est pas... Là, ça, moi, ça n'a pas changé. En ligne, il y a que WAM. T'as débloqué les ports de ta box. Puis il a même le micro de l'époque, Kian. C'est ça qui est bon. Oui, c'est génial. On est en pleine immersion. C'est bizarre. Kian, il a micro d'époque. Non, mais on t'entend bien. C'est juste. Voilà. Nom de partie, vas-y, c'est quoi le nom de partie? File-le sur. Regardez, allez dans votre liste d'amis Battle.net et regardez si vous pouvez me join directement. Oh, oh là là, putain. C'est plus simple. le mec alors comment on va dans simple. Les amis? Moi j'ai pas d'amis Bennett, moi. Ah putain. Bonjour. Et le mec à côté de moi, il me fait bonjour. Bonjour. Mais oui, c'est normal. Il me regarde et il fait bonjour. Attends, avant de lui parler, on t'attend. Ça fait 3 fois qu'il dit bonjour. Ami dans Bennett. Je sais pas faire. C'est énorme. Alors, invité dans le groupe. Plus vas-y, là, je viens de me souvenir que ça existait aujourd'hui. Les gars, j'ai cliqué clic droit à rejoindre, je vous trouve pas. Désolé. Alors attends, j'ai invité dans le groupe, mais j'ai pas rejoindre sur Alpha. Vous savez que c'est dans le squad, parce que ce que vient de dire JDG, faut que je vous en parle. Dans la conf aujourd'hui, JDG a quand même écrit « Je ne trouve pas le jeu sur Steam. Oui. J'ai l'impression que la clé n'est pas valide. » C'était exceptionnel. Un grand moment de gaming. Diablo, j'ai pas relancé mon Battle.net, j'y ai pas relancé depuis 2 ans, qu'est-ce que je te dis là? Diablo, c'est pas sur Steam. Un grand moment de gaming, c'était incroyable. C'est vrai que c'est... Ça m'a régalé. Comment je trouve pas ma liste d'amis? Peut-être j'ai pas d'amis, tant pis. Mais non, mais... Ouais. T'as alors moi, je vois Alpha, mais je vois pas un truc pour le joindre. Y'a pas de bouton pour me rejoindre? Non. Alpha, on a jamais été amis. Invité dans le groupe? Ah, peut-être on peut faire une espèce de groupe privé sur... On a été amis un jour ou pas?
Plus connaissance, relation. Attends, je sauvegarde et quitte. Et je vais faire salon. Tiens, on partie. Va y arriver. Hein, t'inquiète. Allez, vas-y. Ouais, non, mais je, les gars, j'ai de la patience. Vraiment, pour le coup, c'est cool. On va y arriver. Non, mais attends, moi je suis dans... moi je pense qu'il faut créer les parties à l'ancienne. Hein. Ça n'existe pas, nouveau Battle.net hein, dans les années 2000, je pense. Ah ouais, désolé, ça va déco, ma mère prend le téléphone. Ça c'était énorme. Non, putain, non. Tu occupais la ligne. C'est bon, je vous ai linké tout ce qu'il faut savoir. Ah, ok. Ok. Il y a des gens sur le chat qui demandent si je possède un stream. Je ne possède pas de stream, mais c'est mais en fait. Stream. Je ne possède pas de stream. Je ne possède pas j'adorerais de stream. Streamer, les amis, mais j'ai pas de thème. Je sais pas sur quoi streamer. Pas de thème. Ah d'accord, ok, c'est comme ça qu'on mais join. Pourquoi tu fais pas. Attends, faut un thème pour streamer. J'ai pas un thème. Comment ça, faut un thème là. Moi, j'étais pas au courant. Tu crois que je serais assez intéressant tout seul de dire salut, je stream. Et on va dire, bien on va parler. J'aimerais bien faire un truc, mais je sais pas quoi. Évidemment. Ah mais non mais tu fais, t'es pas obligé de jouer à des jeux vidéo. Ah mais c'est ça Diablo. C'est ouvert maintenant. Oh Pépita. Oui. Il c'est Pépita Pyramide. Ouais, j'ai les amis, je suis une game. Pépita. Il s'appelle Pépita. Pépita, oui. Bien sûr, bah Pépito, oui. Pépita, bien sûr, bien sûr. Moi c'est je beau. Suis Zeramazon Prime, car je joue ZQSD, attendez. Bien sûr, Zeramazon Girl Power là. Non mais c'est pas ZQSD, c'est demande d'échange. C'est clic gauche de la souris. Il veut celui-là, il veut. Ah ça se joue quoi, ça se joue pas au clavier. Ça se joue clic gauche, tu peux maintenir ou cliquer là où tu veux aller. Attends, ça se joue que à la souris? Tout à mais... fait. Ouais, c'est non, ça. En fait, le clavier, ça va se jouer pour changer tes sorts, tes attaques, tu vois. Pourquoi je peux pas vous rejoindre, les gars? Pourquoi je peux pas vous rejoindre? Regarde, Kian, regarde la conf Discord. Dans la conf, il a mis les mots de passe et il tout. A mis les alors infos. Le problème, c'est ah, que... Ah, d'accord. Ah oui, non, c'est bon, il y a pas le passe et tout. Alpha est occupé. La petite soirée, elle est pas là. Ok, c'est bon. Ah merde, j'ai bu une potion. Pardon, c'est ça. Ce n'est pas grave. Petite soirée à l'EHPAD avec Zera là. Soirée à l'EHPAD. Mais non, c'est bon. Comment Kian, il a une potion là. Bah alors, c'est un barbare. J'ai bu une potion. Kian. Ah si, c'est bon. Kian. Ah, c'est Kian avec plein de majuscules. Ça, c'est très pas, bien pour un barbare. Mis, les gars, on a l'impression, on a effectivement l'impression d'être en 2002. Quoi. Un peu, ouais. Mais il a lâché sa massue déjà. Je vais les farmer pour vous un peu là. T'as même pas mis 8A pour la ref, quoi. Je suis un peu bien, ouais, j'adore. Je voulais juste voir si t'avais la ref. Ah, mais les gens 4. Ont la ref dans le chat, en plus. Il est niveau 4, Kian. Comment ça? Mais les gars, j'ai farmé un peu. Vas-y, mec, il a hack le fichier, déjà. Appuyez sur P comme tricheur. Vous allez voir que Kian est tricheur, déjà. Mais ça dégoûte, par contre. P. Bon, c'est pas grave. Je vous ai mis une armure battle, les gars. Regardez comme... Voilà. C'est pris. Comment on joue, là? Comment faut cliquer? Qui veut une belle ceinture? Allez, hop, c'est pour moi, ça. Bon, messieurs, venez, on se casse. On sort. Venez. Appuyez sur tab, vous allez voir la map, normalement. Si vous appuyez sur tab, vous avez la map qui apparaît. Tout à fait, JDG, tu peux appuyer sur tab. Ah oui, tab pour la map. Suivez-moi. Très belle map. La première quête, c'est d'aller... Fallait la prendre. Non, t'inquiète, elle va apparaître. Moi, je préviens, je vais être le mec relou qui reste. Donc là, en gros, on va chercher. Tu les as tous perdus là. Le repère du mal. On va chercher la grotte, la première grotte. Bah, attendez, j'avais un bâton, je l'ai perdu. Oh putain. Comment on tape? Ça va être très long. Alors regarde. Tu tapes avec clic gauche ou alors. Mais non, clic gauche, ça s'est déplacé, t'as dit. Attends, t'as pas ton bâton là? Mais oui, j'ai perdu mon bâton. Il est où ton bâton là? Attends, appuie sur I. Équipe ton bâton là. Mais je l'ai pas. Tu l'as jeté. Non, allez. Attends, je vais voir s'il l'a jeté par terre. Attendez. Je retourne encore pour voir s'il l'a jeté par terre. Putain. Ah non, c'est bon, j'y vais, il est sur W, c'est bon. Là, ah oui, tu avais rangé ton arme avec W, tu avais changé de slot. Tout à fait. Donc pour toi, JDG, c'est clic droit pour lancer un sort. Ah yes, ok. Une bon, boule de feu. Mais tu vas voir que le mana s'épuise assez vite. C'est le problème au début de la sorcière. C'est la boule en bas à droite, le mana, et t'as une boule bleue, c'est le mana, t'as une boule rouge, c'est le la bleu, c'est le mana, Fred. Tout à fait. D'accord. Y a du. Merde. Du TK? Ouais. Non, y'a pas de TK. Ah, non, y'a du PEP par contre qu'on peut activer, non? On peut activer le PEP, on fera ça à la fin. Bien sûr. Et pourquoi mes sons ils sont tout lents? Alors c'est normal. Tu es niveau 1. Alors y'a un autre truc qu'il faut que je t'explique, JDG, juste 2 secondes. Tu vois que t'as une barre d'endurance à droite de ta vie, c'est l'espèce de barre jaune là, tu vois. Oui. Ça en gros tu peux courir à l'infini et si tu appuies sur R, tu vas te mettre à marcher. Tu vas me dire pourquoi j'aurais envie de marcher, ça me saoule. Et ben la réponse c'est qu'en fait tu dois recharger ton endurance quand tu n'en as plus. Et ce moyen là c'est de marcher, voilà. D'accord, ok. Donc si à un moment tu peux plus courir, tu appuies sur R, ça te fera marcher, ça fera remonter ta barre. Et voilà. Des monstres.
Oxylémon. Les gars, non, est-ce que vous connaissez cette compétence? Attendez, juste un petit instant, juste un petit instant. Ouais. Regardez, si t'appuies sur F, t'as un zoom, tu peux zoomer un peu. Ça, c'est plutôt stylé. Ouais. Et si t'appuies sur G, tu passes dans le mode 2000. Le pauvre, le pauvre. Ah yes. Et oui, le G, c'est incroyable. Ah, c'est ça vieille. Petit coup de vieux. Hein. Alors en fait c'est un scam, parce qu'en réalité le jeu est plus pixelisé qu'à l'époque. On m'a montré des vidéos de preuves comme quoi ils avaient mal. C'est fou, ça ressemble à Command & Conquer. C'est un peu la même. On nous attaque, unité perdue. Unité créée. Salut, c'est moi, je suis Tania là qui arrêtait pas de dire. Elle arrêtait pas de dire ça, Tania. Allez, vas-y. Non, Tania avec les chiens. Ah, c'est là-bas la grotte, venez. Oh, quand même. On la voit sur la carte. Ouais, la différence, c'est important. Est-ce qu'on partage la carte? Non, c'est sûr que non. Putain, je venez, c'est là. Les loots là, quand vous les ramassez, c'est partagé entre tout le groupe? Alors non, ça c'est à l'ancienne époque, c'est-à-dire c'est premier arrivé, premier servi. C'est non. Tiens, c'est incroyable. Fallait vraiment jouer avec des amis très très chers à ton cœur dans ce jeu, quoi, parce que sinon, sinon ça brisait les amitiés. Hop, ça c'est Mais alors attendez, du coup, les classes à distance se font enfler? Non. Alors tout à fait, mais en réalité... Exactement, c'est l'injustice de la vie, Fred. Non mais il loot un truc pour sorcier, il lui donne quoi. C'est plus dur de jouer corps à corps, donc il y a une récompense, tu vois, à être corps à corps et... Ouais, c'est ça. Non mais c'est surtout que les stuffs, tu te les partages quoi, genre si t'as un bâton dépend, de sorcier... Non mais... Tous négocient. tous vont, c'est important. Moi je suis barbare, je drop un arc, je peux négocier à tout le monde. Bien sûr, c'est vrai. Le fameux barbare négociant, quoi. Exactement. Le barbare négociant, on connaît bien. Le barbare négociant, bien connu. OMG, j'ai level. Attends, comment on tape? C'est un clic. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, j'ai cherché les monstres, je réveille tout le monde. Hein. Allez, je vais comme dans World of Warcraft, je vais chercher les monstres, je les ramène. Alors fais gaffe parce que ça suit pas très... c'est pas incroyable en termes de suivi. Hein. Bon, alors toi, Kian, qui avais joué au jeu d'époque, comment tu trouves le remaster? Bah assez kiffant, je t'avoue, ça m'a remis le côté, en fait c'est un côté très très addictif tout de suite, de reformer, de revoir du niveau, de revoir des stuff, Franchement hein. Moi j'ai ça joué hier vite. Là, j'ai joué hier, j'ai lancé une partie en hardcore, je me suis dit vas-y je vais tenter le truc mort définitive et tout. Et ah oui alors c'était pas mal du tout hein. T'as tenu? Bah écoute c'était pas mal du tout, pour l'instant je suis encore en vie. Oh c'est beau. T'as pas pour l'instant, mais j'ai failli mourir 2-3 fois et c'est vrai que... Mais t'y avais joué à l'époque aussi toi? Ouais j'avais joué beaucoup à l'époque, hein. J'avoue que j'étais assez addict. C'est quoi les raccourcis pour les deux spells principaux? En fait, pourquoi le raccourci pour les spells, il y en a pas, il faut que tu les bannes toi-même. Ouais, et comment on fait? En fait, tu fais un clic gauche sur ton sort là, à droite, et là tu vas voir tous tes trucs qui vont s'ouvrir, et par exemple si tu... Quand tu passes ta souris au-dessus d'un truc et t'appuies sur F1, bah ça va binder ton sort sur F1, tu vois. Ok. Alors c'est un nouvel con. Que tu es, sort de foudre. Ah j'ai un sort de foudre. Je crois. Attends. F1. Par exemple. Non, F1 par exemple. Sinon tu vois ta barre d'endurance. Au milieu t'as deux cases marron. Ouais c'est ça, c'est ce que je voulais dire pardon. Une avec une flèche. La deuxième c'est pour les spells. Donc en fait tu peux programmer un spell directement. C'est lui que tu vas programmer. Ah, mais j'ai plus de mana, il faut qu'on ait FK. Allez, d'accord. On peut faire un repos long. Attends, merde, putain. Mais là, les deux là. Mais je cherche le bouton pour binder mes sorts là. Ils nous c'est quoi gueuler, en plus, on se fait engueuler. C'est quoi le bouton? J'ai oublié. J'ai mis un truc là de mana là, tu peux te récupérer si tu veux. Yes. Voilà. Alors attends, vous n'avez pas pris ça? Ah d'accord, il faut que je la prenne. Putain, j'ai pas eu l'amulette, putain. Ça augmente votre défense, sort de feu. Je t'écoutais. Augmente votre taux de. Ah oui, taux de récupération du mana. Ah non, mais je peux pas, j'ai pas assez. C'est quoi leur histoire à ces gens-là? C'est quoi leur enfance à ces gens-là? Pourquoi ils vont se battre dans des grottes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils en sont arrivés là? Ils sont contaminés, mec. Ils sont perdus. Ils savaient pas où aller. Ils ont pas de. Ah mais ça y est, ça FFA. Regarde ça, ils sont partis tout seuls. C'est le problème. Ça avance très vite. Hein. La surpopulation. Les gens n'ont pas de travail, pas de maison. Ils vont dans les grottes. Ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ils vont dans les prairies. Ils se réunissent dans des sous-sols. T'étais où, chérie? Bah, j'étais dans un sous-sol tout à l'heure. Ouais, c'était un peu glauque. Un sacré sous-sol. Contaminé par le mal, bien sûr, tout à fait. Ah, on n'a pas vu tout en haut. Ok. Ah, il faut que c'est je bon. Je commence à trouver les touches. Ok, donc là, la quête nous dit qu'il reste 5 monstres dans la grotte. Donc, ils sont évidemment à l'endroit où on n'est pas allé, c'est-à-dire en haut, au nord, là. Ah, oui, en fait, faut jouer avec tout le temps la carte ouverte. Ouais, quasiment. Dans Diablo, on finissait quasiment par jouer qu'avec la carte ouverte. Et yeet du coup, c'est vrai que. C'est ils sont là. Attends, c'est des grenades. On les attend. Les tue pas. JDG, à toi de jouer.
Ah, il a raté. Bien joué, une clé. De l'autre côté. Bien joué, Fred. C'est mon terminé. RP de sorcière un peu myope. Il est où? Bon bah, fin de quête. Bien joué à tous. Fin de quête, là, ça y est. Ouais, je crois. Oh là là. Tiens, la massue, c'est pour le barbare. La massue, c'est pour le barbare. Les flèches, c'est pour l'Amazon. Les flèches pour... Voilà. Ah ouais, flèche, flèche. Bah, la massue... Oh là, on retourne en ville, on va rendre la quête, venez. Ah, petite musique là, elle est bien la musique. Hein. Amulette, ah, prends, prends la amulette. Venez les gars, venez ici, attendez, venez. Bougez Zera. Pas, vous êtes où? L'amulette, Zera. Là, voilà. Quoi, l'amulette? C'est quoi, c'est de la dextérité? Je sais pas, c'est non identifié. Ah, j'ai un arc moi, un arc court. Et j'ai pas moi. Oh, donne l'arc! Tu veux un arc? Ouais, donne l'arc. Ok, attends. Tu peux le drop comme ça? Ouais, ça marche. C'est pas un bail où faut acheter genre un livre, non? J'ai trouvé une épée là, un cimeter. Il y a quelqu'un qui veut le cimeter. Il faut aller au camp des rogues là? Pas de cimetière. On va aller au camp des rogues, on va aller rendre la quête, tout à fait. Et voilà. Allez, j'ai fait un petit portail, on a qu'à y aller. Ah ouais, ça c'est un portail vraiment, c'est le Uber pour faire 300 mètres quoi. Ça c'est vraiment. Je vais pas donner ma baguette, il est pas. Vous voyez un nécromancien dans le groupe? Attends, mais par contre. M'énerve, ça. Ah oui, j'ai pas mis les points de stats. Ah, c'est quoi? Les stats pour assassin, c'est quoi? Full attaque? Active la minimap en haut à droite. mode minimap. Afficher l'heure. C'est pas écrit la map. Carte auto. Ah. C'est de la carte. Ah bah oui. Oui, c'est mieux comme ça. Cool Dex. En fait, tu vends un peu ce que t'as trouvé, tu vois. Si t'as trouvé quelques trucs. Point d'exclamation. Tu sais que le business plan de ces gens est déplorable. Vraiment, ils font que t'acheter des trucs pourris. Mais t'as vu qu'après ils les revendent à prix d'or. C'est un peu le micro-bania business, merde. Tu vois. Genre ils t'achètent un arc 100 gold et ils le revendent 10 000 gold. Oh, les mots sont durs envers micro-bania. Je sais pas si ça marche. C'est le cash converter, tu vois. Ah oui, je lui ai. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'as raison. Parce que les gens se rendent compte, quoi. C'est quoi le mieux pour avoir des sorts de zone? Ça arrive plus tard dans le jeu, je suppose. C'est plus tard. Non, tu peux avoir assez tôt les éclairs qui se répandent là, je crois. Non, quoi, trait de foudre, champ électrostatique. En fait, le trait de foudre, plus tu montes de niveau, plus ça envoie de trait de foudre devant toi. Donc en fait, si t'as genre le trait de foudre niveau 5-6, t'en envoies 4-5 et c'est pas mal. D'accord. Tout. Mais en vrai, t'as qu'à mettre un point dans chaque sort et puis tu testes. Ouais, en fait, parce que là j'ai respect, enfin j'ai cliqué quoi 3 fois au mauvais endroit. et du coup, j'ai pris 3 fois chaleur, mais c'est avant, bon, je pense qu'on peut rien. Ce n'est pas grave. En fait, alors par contre, on peut se respé, mais qu'une seule fois. D'accord, bon, je le ferai pas au niveau 2 alors. Donc tu fasses gaffe. Là pour l'instant, mets des trucs un peu partout, et au bout d'un moment, tu verras ce que tu prends. On sort ? Allez, c'est parti. Les gars, n'oubliez pas aussi en bas, vous pouvez mettre vos potions en raccourci 1, 2, 3, 4, 5, quand ça tape trop fort. T'as tes potions qui sont dans le une sorte de slot. Il est vrai. J'ai déjà fait l'expérience de prendre des popos. Oui, ça, ça va. De manière involontaire. Faire exprès. Ça va, j'ai compris. Tu jouais Assassin Tourelle. Comment ça, Assassin Tourelle? Assassin Tourelle, ouais, tu poses des pièges par terre et tout. Non, ah ouais, ça a l'air rigolo. On n'a pas le temps. Non, mais je sais pas où. J'ai 3 arbres de spé, moi j'ai pris des grenades. C'est vraiment des pigeons quoi. Il y a des objets. Ah, les prends tout de suite. Bien sûr. Ah bien sûr. Pigeons. Aucune hésitation. C'est vraiment genre. Je sais pas ce que c'est. Je le ramasse quand même. On va un peu accélérer. Hein. On va un peu accélérer parce que là. Quoi non, on va vite déjà là. Je sens que vous êtes tendu là. Vous êtes tendu. Ouais. Cours alors. Bah non mais je recharge mon stamina. Tu vas trop vite alors. Et moi aussi ça remonte plus. Ah c'est bon. En fait voilà, il faut que ça commence à remonter pour que tu commences à marcher. C'est un peu bizarre mais. Les boules de boule, ouais, le à côté. le RP sorcière myope sur les lunettes. La sorcière myope bien là. Non pas par là. Donc là il faut que. Est-ce que vous avez à peu près parlé au PNJ, rendu les quêtes? Non vous avez fait ça? Vous avez fait un peu? Appuyez sur Q et dites-moi si vous avez le faucon rouge. Moi j'ai le repère du mal, quête terminée. Non, cherchez Blood Raven dans le cimetière à côté des. Le repère du mal, quête terminée, ouais c'est ça. Ok. Et t'en as une à droite, JDG? Non. Une autre quête. Ah c'est dommage. Et bah tu sais quoi, je vais te faire un portail, regarde. Hop, prends ce portail là. Putain il est beau. Oh, belle merde. Et là tu vas parler à Kashia, elle là. Ici là. Kashia.
un cachet. Ok, discutez. Okay. Donc là, tu... le cimetière des sœurs, c'est ça? Exactement. Non. Et donc... Si, si, c'est ça, c'est ça, exactement. Et donc là, tu reprends le portail. Attends. Celui de Zeramazon Prime. Mais j'ai rien, il me donne rien. T'inquiète pas, t'as la quête, c'est bon. Appuie sur Q. Mais non, y'a pas. J'ai le cimetière. Merci beaucoup, chat, pour le raid. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. En mettant tes sorts sur 1, 2, 3, tu as retiré les binds de tes potions. Ah, c'est chiant. Du coup, je vais remettre par défaut. Voilà. Tout à fait. Oups, j'ai mangé une potion. Oui, donc, il faut avancer. Merci beaucoup, chat. Bienvenue à tous. Merci le frère aussi pour les 11 mois. Arman, Picsou, Sagramor, merci à toi. Merci Kinoman, Sasu, le Linkoufou, Funky Patata. Ah, mais c'est un méchant, ça. Ah ouais, je me disais encore. C'est un méchant. Est-ce qu'on se suit un peu tous les deux ou en fait, on sait pas trop où on va ? Il y a changé de skin qui aime. Est-ce qu'on se suit ? Non mais viens, je t'ai fait un portail là. Va au village. Un petit attendez, on va l'attendre, JPP. Allez, ah tu prends le TP des plaines gelées. On est à côté. Hop. Tu sais le TP carré là, tu sais ? Je sais pas si tu l'avais pris. Ah bon, tu vas ? Non. Mais attends, il y a quelqu'un à côté de moi avec des flèches, c'est qui ? Il y a bien quelqu'un qui veut en partie là avec moi. C'est qui ? Ah non, y'a personne à côté de toi là. C'est Flavie. Il y a une archère là, il y a une archère à côté de moi. C'est un PNJ, c'est un personnage non joueur. Enfin, tout à l'heure je vois, je fais mais galère, pourquoi il me suit, galère pas de ouf. Panique, Kian. Mais qu'est-ce qu'il fait, Kian là? Mais tu fais quoi? Je retourne dans le village. Ouais, fais-toi un TP pour le village là, et tu prends mon TP à moi. Je pense que le mieux à monter, c'est l'énergie hein, pour les mages. Oh, tu fais énergie à fond. Énergie à fond. Tu fais rien d'autre. L'énergie. Énergie à 100%. J'ai un arc court primitif. Ouais, non, 1 à 3 de dégâts. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus bas. Ouais, non, c'est pas dingue. Hein. Pas ouf. 1 à 4 hein. Déjà. Ok, il est là, let's go. Ah, mais oui, parce que tu as déjà ton mercenaire. Tu as un mercenaire qui t'aide. C'est pour ça que tu avais un archer. Ah, d'accord. J'ai dit, mais pourquoi il me suit là? Arrête de me suivre là. Et ça veut donc effectivement dire que tu as tué Bloodraven niveau 4. Putain, bien joué. Il a rushé, pas le temps. Putain, je tire une... C'est pas possible. Alors sache, mon cher JDS, que si tu fais majuscule clic droit, ton perso va s'arrêter et tu peux lâcher un sort dans le vide. D'accord. Ah ouais. Tu vois, voilà. Et t'es pas obligé d'avoir le message, je le fais déjà, ça, de lâcher des sorts dans le vide. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu peux en lancer sans avoir de cible. C'est encore mieux. Tu peux vraiment gaspiller de la mana encore plus. Voilà, il y en a plein. Je le mets en mode 2000, là, c'est bon. Ah, ça fait mal aux yeux au bout d'un moment. Tu mets en old style. Ça fait un peu mal aux yeux au bout d'un moment quand même. Ah, moi j'avoue, ça me pique trop les yeux. Hein. Moi j'ai un gameplay mortier. Vite. Ça part tellement vite la mana au secours. T'envoies les grenades, c'est ça? Ouais. Les gars, il y a une paire de bottes. Pourquoi j'ai déjà des bottes? Moi si vous voyez un arc. Il y a le médecin derrière là. Voilà. Vous savez que j'ai découvert dans la VF de ce jeu, les PNJ disent de la mana. Alors, mais il y a un grand débat, c'est comme la Wi-Fi, les gars. Cringe, là, il y a un grand débat. Il n'y a pas de débat. C'est du mana. C'est un concept, c'est masculin. C'est... Ouais, j'ai toujours dit de la mana, perso. Et ah ouais, bon mais, dire de la mana, hein. Mais t'as toujours mal dit, malheureusement. Moi, dire de la mana, je disais mal parce que dans ce jeu, on dit de la mana. C'est incroyable, quoi. Tu dis Wi-Fi? Du Wi-Fi? De la Wi-Fi? Ouais, le Wi-Fi, je pense. Ah, mais la Wi-Fi, ça dégoûte quand même. Ouais, Metal Gear, ouais, c'est vrai que c'est des grands débats, ça, c'est des éternels débats. Ouais, mais est-ce que Metal Gear, c'est Ryu, non, par ou contre, Ryu ou Ryu? Ryu. Ryu, non? Bah non, c'est Ryu. Bah ouais, tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est Ryu. Non, c'est Ryu, c'est pas Ryu. Dans le chat, oui, Ryu ou Ryu, c'est marrant ça. Non, mais ça, il y a des vraies réponses quand même. Non, mais voilà, là, il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a aucun débat là. Quand il y a des réponses, il y a des réponses. C'est ici, venez! Ok. Maniez-vous là, parce que bon, les persos, ils ont des HP pour 4 joueurs, hein, donc moi j'ai là, plus d'endurance. Je suis fatigué. Il faut marcher, marche. Grenade. Ok, c'est là, grenade. C'est là, venez. Non, vous savez quoi, vous allez me suivre et comme ça on va. Venez. On va directement rentrer. Venez, ouvrez la carte. Venez là, laissez tomber vos mobs. Mais on farm. Mais ils sont méchants. Non, mais regarde, tu vas voir. Ouais. Venez là. Ah oui, c'est là le cimetière, les gars. Là, on va rentrer dans le cimetière et là, ça va être feu à volonté. Ouais, vous voyez le mob rouge, la Bloodraven? Grenade. C'est l'archère qu'on doit buter. Grenade. C'est l'élite. C'est l'Amazon de Diablo 1. Donc à l'attaque. C'est ça, non? Et le lore. Ça peut faire mal, hein. Ah, je suis empoisonné, je vais mourir. Prends une popo.
Ah, je suis mort. JDG est mort. Dernier moment, dernier moment. Vraiment là? Je te fais un TP, JDG. Je te fais un TP. Reprends le TP de Zera Machine Prime. Mais va me raise. Prenez les affaires de JDG surtout. Prenez les affaires. Je vais mourir. Reprends ton cadavre, Regarde, JDG il est par terre là, juste à côté de toi. Tu cliques sur ton cadavre. Attends, oui, attends, où est mon cadavre? Juste à côté de toi, à ta gauche. Il y a ton cadavre là. Aïe, aïe, c'est ciao. Ah oui, parfait, c'est bon. Allez, tuez Blue Draven maintenant. Et tuez-vous des zombies. Ça s'est mal passé, il y a eu presque deux morts et tout. Allez, non, c'est ça. C'est énervé, Blue Draven. Incroyable. Ah ouais, Blue Draven, il est vénère. Oh là là. Et ça prend trop vite là. Ouais, ah, non, au score. Au score. Il fait que bouger, mais il faut que le barbare agisse là, il est calme. Le barbare il fait rien. Ouais, il prend une potion là. Attends, tiens, je vais te dropper des potions là, tu m'as l'air dans le mal là. Putain, mais arrête pas de courir, elle me casse les couilles. Viens là. Steve. Je suis là. Potion de rajeunissement là, en bas là. Là où je suis. La potion de vie. Enfin, viens. Je te vois pas. Ça y est, je te vois. Ah, mais mon gars, elle nous fait un kiting, c'est incroyable. Mais elle va beaucoup trop vite là. J'ai plus de potion de mana. Les gars, j'ai plus de vie. J'ai trouvé un écu par contre, si vous voulez. Je crois que tu me tires dessus là, frère. Ouais! Bravo à tous. À moi les loots. L'armure, oh putain, comme ça, disparu vite. J'ai tout pris. J'ai tout eu. Des pigeons, quoi. Oh là là, en mode legacy, c'est beau. J'ai tout pris. Ah, je peux pas mettre en mode legacy là? Pourquoi? Si tu peux. La touche G. Ah, j'ai une armure matelassée. C'est quoi ça? Archmage, bien sûr. Dans le dico, le wifi, donc pas de débat. Ah d'accord, ok. Comment ça marche? Le commentateur dans Smash dit le Ryu, donc il dit Ryu en français. Peut-être. Ouais. Ryu, bah ouais. Ouais mais non. Ouais mais non. Même si le commentateur dit ça, non. Ah je non, regrette. Non, bah, pas possible. Justement, tu vois, dans Diablo, ils disent la mana, dans Diablo 2. Alors que... Ah je suis surchargé, merde. Ah ouais, alors la gestion de l'inventaire dans Diablo, c'est tout un truc. Oui, c'est vrai. Ah, ça m'appelle la quatrième prophétie un petit peu. Exactement. Une baguette magique, j'ai trouvé une baguette magique, là, il y en a une là, regardez, je vous l'ai droppé. Mais baguette, c'est pour les nécros normalement. Ah d'accord. Alors que, en fait, tu sais, c'est bâton pour sorcière et baguette pour nécro. Oh, mais attends, t'as droppé une baguette grise là, tu crois qu'on veut de tes poubelles là, Ken? Gars, jugez pas. Gars, il nous envoie des poubelles. Attends, c'est quoi? C'est une moyenne, c'est T comme spell, enfin, c'est ça? Oui, T comme spell, ouais, T comme spell. J'ai trouvé ça dans un débarras, voilà, c'est une brocante. Non mais Kian, tu me fais trop de la peine. Viens un peu à ta droite là. Tiens, prends. Crâne abîmé, ça. Kian, s'il te plaît. Fais trop de peine. Viens, prends tes potions là. Fais trop de la peine là. C'est quoi rajeunissement? C'est mana et vie en même temps, mais du coup prends-la. Ah, okay, d'accord. Et ta vie aussi. Alors, JDG, sache que si t'appuies sur Alt, tu vois les loots qui sont au sol. Ouais, je vois mon chat le spam avec toute sa délicatesse. Donc la touche. Alors le problème de Diablo, c'est qu'on joue beaucoup avec Tab et beaucoup avec Alt. Donc des fois, tu vas te retrouver sur Windows sans raison, mais y a pas de souci, ça va le faire. Est-ce qu'on peut... Les gars, vous avez pensé qu'on peut aller sur Windows du coup? Ah ouais. Ouais carrément. Mais je sais pas si ça. Est-ce que Tab existait à l'époque? Ouais, si ça devait exister quand même. Tiens Alpha, tu viens? On va faire la crypte. Ouais, j'essaye juste de voir comment venez, je fais. Là-dedans, là. Comment je fais pour jeter une dague de lancer? Revenez, qu'il y en a plus, putain. Ah, pour jeter une dague de lancer, c'est. Alors, je sais pas si tu peux en sorcière. Ah, si, c'est pas en sorcière, t'es en assassin. Non, je suis assassin, ouais. Tu vas dans ton clic gauche, là, enfin, là où il y a l'attaque, et tu bindes le lancer. Quand tu en compte, tu remplaces ton carré marron de gauche. Au lieu de l'attaque, tu mets lancer. Par contre, mais quelle arnaque, hein, les sorcières qui peuvent pas ramasser les loot alors qu'il y a tous les connards au crack qui les ramassent. Mais si, elles peuvent très bien. En fait, il faut que quand le monstre va mourir, tu arrêtes de taper, tu vas au corps à corps et là tu te focalises que là-dessus. Ah bah bravo. C'est ça la stratégie. Ah bah bravo. Donc on abandonne le combat pour s'occuper des pièces d'or, quoi. Exactement. Parfois même, tu peux looter pendant les combats. Là, attendez, vous êtes où là? Je suis dans le mausolée à l'aide. Vous êtes parti où? Non, vas-y, reviens. Venez, Kian Pepita, revenez en arrière là. Suivez la Pepita. Lumière. Kian et Pépita, je vous prie. Ma chère Pépita. On va rentrer là-dedans, là. Crypt. Allez, on va clear tout très ça. Bien, là. Très bien. Là, on a un coffre au bout. JDG, faudra que tu sois attentif. Y a putain, beaucoup de loot, il a explosé ce truc. Ouais, c'est pas grave, ça fait des dégâts. Des grosses tatanes dans les colos. Ça fait mal quand même. Les gars, moi j'ai un spell, c'est je crie et il se barre. C'est pas mal. Il tourne le dos. Boule de feu. Là, JDG, je peux mettre des tatanes dans les tonneaux, si tu veux. Juste un clic gauche dans les tonneaux. Non, clic gauche. Ah d'accord. Voilà, grosse tatane, coup de claquette, coup de sandale. Oh là là, des monstres. Ouah, à moi la garde. Oh là, il... Attends, pourquoi il est bleu? Ah merde, on est parti du mauvais côté.
Remarquable, lui. Je suis avec Kian. Je suis lent. On a fait le tour. On a fait le tour. Je suis si lent. Tu es gelé. Grenade. Je vais mourir avec la grenade. Mais non, merde. Putain, mais je tapais. Tiens, Kian, des potions. Au sol, à droite. Potion, ouais, j'ai vu, putain, merci. Il faut encore que je réussisse à différencier les monstres de vous, en fait. Mais t'as des prix. Non, putain. Bah, y'a des prix. T'as des prix sur les potions ou quoi? Pourquoi non, c'est parce que je loot tout. Je loot tout le temps. Ah, j'avais le primitif, pas le temps. Putain, yes. Et c'est pas naturel le bouton R pour courir. C'est pas naturel. Ouais, c'est bizarre. C'est pas naturel ce qui se passe. Parce qu'en fait, quand tu atteins les niveaux au-dessus, t'as quasiment plus besoin de marcher jamais. Et en fait, tu te sers plus jamais de cette touche. C'est juste qu'il faut attendre un peu tant que ton perso il prenne l'habitude de savoir. On sait où les loot. Faut apprendre à marcher. Avec Alt, alors, vous voyez. Hein. Oubliez pas, avec Alt, vous voyez les loot. Hein. Faut avancer un peu là. Je parle pour Fred pour qu'il puisse cliquer vite sur les loot. Après, appuie sur Alt, hein. Ouais, je le vois. Il y a plein de trucs là. Et il faut sélectionner, il faut choisir, hein. Ah mais moi je spam. Ils sont tous chargés, ils ne peuvent pas. Ah, je vais crever là. J'ai pas vu, j'étais trop occupé à looter. Il était dans le feu. Ya. Faut imaginer le loot jaune qui va le voir. Il y a un loot jaune au sol là. Mais ouais, mais j'arrive pas, j'ai pas de place, ça dégoûte. Alors attends, comment ça marche? Ouais, faut remplacer, de hein. Mana. Faut faire des choix dans la vie. Et si je fais ça, comment je... Putain, il l'a prise, ça dégoûte. Tiens, Kian, je pense que t'as besoin de cet anneau. Alors attendez, comment on choisit les sorts là? Dites-moi. Alors c'est-à-dire? C'est les clics, les boutons marrons. Ouais, mais comment je fais? Je peux pas faire glisser, c'est quoi? Alors c'est, en gros, tu cliques sur le bouton marron à côté des potions là, tu fais un clic gauche dessus. Et là, ouais. T'as tous les sorts disponibles. Donc là, tu cliques sur celui que tu veux. Et ensuite, ce sera ton clic droit. En fait, le bouton de marron de droite, c'est ton clic droit. Le bouton marron de gauche, c'est ton clic gauche. Donc en fait, tu bindes ce que tu veux dessus et tu fais ta petite vie. L'autre qui a ramassé son loot, la git. Prends ça. Ah, mais c'est un truc à force. C'est pour Barbara. C'est un truc à force. Il est où? Faites voir. Prends ta marche. Ah, mais c'est l'armure que tu m'avais donnée. Attends, est-ce que tu t'en sors, JD? Tu as refait des photos? Non, j'ai le bouton sur trait de foudre là, j'appuie sur clic gauche, clic droit, il se passe rien. Je comprends. Ok, fais majuscule clic droit. Majuscule clic droit. Sur quoi? Sur le bouton? Je comprends. Attends. En gros tu mets ton dans le carré marron. Est-ce que vous avez pensé à débrancher, à brancher? Oui. Dans le carré marron de droite, tu mets ton trait de foudre, ok? C'est bon ça ou pas? Mais je peux pas le faire glisser. Enfin, je suis con. Non, mais tu cliques sur le carré. Ah non, mais il faut que t'aies mis un point dedans par contre. Ah oui. Mais oui, mais j'ai un point dedans. Eh ben ça veut dire qu'il doit être disponible dans ton carré marron de droite, on est d'accord, non? Alors attends. En gros, quand t'appuies sur ton carré marron de droite, tu vois qu'il y a un menu déroulant qui s'ouvre au-dessus. Enfin, y a un menu avec oui. C'est oui. Non. Voilà. Et bah là, tu fais clic gauche sur ton thread de foudre, quoi. Donc après, ce truc va se fermer. Ok. Et ça veut dire que maintenant, ton clic droit fait des traits de foudre. D'accord. Bon, c'est bien le feu en fait. Est-ce que c'est bon ou pas? Non, mais c'est pas grave. Le feu, mais c'est si, bien. Si, j'arrive. Non, mais quand même. J'ai pas compris, je sais pas comment ça marche là, j'appuie sur F1, F2, F3, clic gauche, clic droite, non, je comprends mais rien. Mais... Monsieur, je vais prendre le contrôle de votre ordinateur. C'est quoi ton idée TeamViewer? Tu peux nous envoyer? Non, je vais regarder ton live. Non mais attends. Ah mais non mais t'es dans le mauvais menu. Attends. Mais c'est pas ça là, c'était comme spell on m'a dit là. Non, là je crois que tu fais des clics droits dessus, tu fais pas des clics gauche, non? Je fais les deux. Non, fais clic gauche sur le carré marron de droite, ok? Oui, clic gauche. Doucement, s'il te plaît. Mais c'est bon, j'appuie, il se passe rien dessus. Un peu de douceur. Non, tu fais pas des clics gauche, tu fais des clics droits. Mais non, c'est des clics gauche. Non, mais ferme ton truc des compétences là, ferme cette merde là. Ferme cette merde et refais clic gauche dessus. Mais il se passe rien, ouais, quand j'appuie dessus, il se passe rien. Ça fait clic gauche, c'est tout quoi. Et ça si, fait... si tu fais molette vers le bas. Molette vers le bas, non plus. Non, rien, que dalle. Mais t'es buggé mon gars. C'est l'histoire de ma vie. J'aimerais voir son chat actuellement. Ok, alors. Attends, mais t'as de la mana? Bah oui, je suis full. Non, allez, les gens me disent ça bug. Mais bon, appuyez sur démarrer. Appuyez sur démarrer. Appuyez sur démarrer. C'est pas grave, c'est pas grave, le feu, c'est bien le feu. Appuyez sur la. En haut, à droite, la croix. Vas-y, je prends le portail. Là, tu fais échappe, sauver et quitter. Et tu rejoins la game. Et ce sera bon. Ok, vas-y, j'essaye. Ah putain, il faut retaper le nom compris. Et là, tu reviens. Attention, cache la scène. Oui, mais t'es.
Non mais t'inquiète, y a pas le mot de passe. Appuyez sur démarrer, monsieur, s'il vous plaît. Démarrer. On va démarrer. Oui, appuyez sur démarrer. Les gars de chez Frit, on pouvait plus. Ok. Non, allez voir sur démarrer. Ah, c'est bon, ça va. C'était okay, un bug, bon. Donc ok, ouais, non, mais ça c'était va. C'était un bug, 100%. Et donc là, tu vois, si tu passes ta souris par-dessus le trait de foudre et que t'appuies sur F1, bah ce sera bindé sur F1. Donc en gros, tu peux binder F1, F2 pour trait de foudre et boule de feu. Et comme ça, tu peux alterner quand tu veux. Ah, d'accord. Oui, ok, mais ça, je pense que je ne peux le faire que depuis la fin. Allez, reprends mon portail, venez. Alpha. Okay. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bon, ça marche. C'est quoi moi, la carapace, j'ai terminé les deux premières quêtes. Hein. La ouais, troisième. Mais là, on fait la crypte pour avoir les coffres. Ok, on est tout bon. Venez tous. Non, mais il faut aider JDG le pour. Les gars, j'ai une armure si vous voulez m'atlasser. Ah bah t'as gagné un bug à trouver. On a fini cette moi, map là. Ouais, non, il faut aller à droite. On n'a pas encore eu le super coffre de fin. Ah oui, on est fait à droite. Là, ici à droite. J'avais là, pas là, vu à droite. Là. Mais non, mais moi je suis qui là. Je sais pas pourquoi je suis barbare alors qu'il est débile quoi. On est déjà allé là où t'es allé. Pourquoi tu suis barbare alors qu'il est débile? Les gars, qu'est-ce que t'attends d'un barbare? C'est vrai qu'il faut pas suivre un barbare, c'est vrai. Pythagore. Alors ça, pas, ça marche pas ouf le F1. Voilà le loot! A l'aide! Ah ok, oh, d'accord. Y'a trop de loot! Oh, je ne sais que faire! Je prends tout. Ah, t'auras pas la place. Je sais. C'est bien ça le problème. Ok, donc là on a fini ce petit donjon. Et là ce qu'on peut faire c'est prendre un portail. Ouais. Revenir, et alors vous pouvez même vendre des trucs et revenir pour relooter, refaire un portail, ça c'est vraiment... Yes, parce que j'ai mes bottes, elles sont rouges là. Alors attends, acheter, vendre, voilà c'est ça. Mais comment lui dire, vas-y rachète, ouais. Achète des trucs. Non mais au début on n'a pas besoin de se passer du stuff en réalité, sauf si vraiment on trouve un truc dingue parce que on change le stuff tellement vite qu'on s'en fout un peu. Par contre est-ce que je vais prendre une arbalète là? Parce que oui. Il y avait plein de traits par terre. Je déteste les arbalètes, c'est de la merde. Non, je vais rester à là. Pourquoi t'aimes pas? Ah putain, mais il faut identifier le truc. Attends, comment on fait? C'est gauche comme ça, ouais, voilà. Alors, on doit emprunter le passage souterrain vers le bois obscur. Trouvez l'arbre d'Ilifus et prenez le parchemin. On y est pas. Ouais, qu'on va une teuf. Comment t'identifies les objets en fait? Il faut que t'achètes des parchemins d'identification à Akara. J'en ai un par exemple. Et bah là, tu fais clic droit sur ton parchemin d'identification et après clic gauche sur l'objet que tu veux identifier. Clic droit, clic gauche. Ok. Super. Ouais, mais c'est cher, hein! Et si tu veux réparer ton stuff, Ah, on peut réparer le stuff, ouais. C'est vrai ça. C'est ici, c'est là où je suis sur la. Si vous ouvrez la. Alors attends, voyons, c'est où? C'est là, ok, ça marche. Ah, on peut réparer, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a une durabilité, chaque objet a une durabilité. Ouais, c'est ça, exactement. Et elle baisse quand tu meurs, quand tu te fais taper ou quand tu tapes avec. Commercial est pareil, très bien. Parce que moi j'ai de l'oseille là, mais autant en dépenser parce que les écus là. Ouais, mais tranquille, t'as le temps de voir venir. Économise. Okay. Il y a des haches de ouf là, haches de combat supérieures. Ah, ça, tu peux t'en prendre une ou deux si jamais il y en a une qui est vraiment mieux. 2500 ah, ouais, du coup. Ouais, ils sont pas chers ici. Niveau hein. Prix, c'est vénère. Hein. Tu peux rien acheter. Ouais. Hein. Effectivement, hein, c'est. Et comment on fait pour réparer? Effectivement. Même pas de bâton pour rien. C'est la petite enclume en bas à droite. Exactement. C'est ça, ouais. Les gars, j'ai une hache. J'ai une hache. Ah ouais, là, tu vas couper du bois toi là. Si jamais il y a un. Ouais. Donc Yann. Prêt. Ouais. Portail, est-ce que t'as accès au TP des plaines gelées ici là? Là où je suis là. Eh, vas-y. Est-ce que tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai, ouais. Eh ben, venez. Ah, mais peut-être les autres l'ont pas pris. Est-ce que vous l'avez pris? JDG, il l'a pas pris. Je tu cliques là, JDG, t'as les plaines gelées ou pas? Non. Attends. Ok, non, mais c'est pas grave. Regarde, j'y vais et je te fais un portail. Donc là, prends mon portail. Oui. Mon portail de Zeramazone Prime là. Attends, oui. On va le trouver. Là où il y a les tones portals qui spawnent. Ouais, voilà. c'est un les plaines gelées, oui, je l'ai. Là. Bon. Et là, tu cliques sur cette espèce de plateforme carrée à la con. Là, yes. Et comme ça, hop voilà, tu as le portail. Peut se taper. Ok, c'est bon. Allez, on continue. Alors. Donc ça va être... par là-bas, hein. Ouais, ça va être par là-bas, c'est sûr. Ah, identifier avant de vendre un item, ça triple son prix. Mais alors, comment ça se passait? Alors, oui, parce faut que absolument y avait... l'identifier avant. Parce que ouais. Là, on est tous... c'est des serveurs de combien? 8 max. Sachant que c'est scalé, donc plus il y a de joueurs, plus les mobs ont de points de vie, et plus ils ont de points de vie, plus ils donnent d'expérience. Et voilà. Parce que il me semblait que, genre, à l'époque, c'était. Genre, il y avait des gros serveurs, non? Non, c'était 8. Mais 8, ah ouais c'était beaucoup hein, à l'époque déjà. Ouais, déjà, 8, à c'est 8, beaucoup, ça, ça commence à être le bordel à 8, hein, quand tu commences à avoir tous tes spells, les bonnes habilités, tu trouves tes 3-4 classes d'invocateurs dans le tas. Y'a pas les Warlegends qui étaient full toxiques sur ce jeu à l'époque? Mais non, mais c'était ça, c'était toi multi, ça. Hein. En fait, Diablo c'était surtout
c'est surtout du trade et de la coop, mais en vrai, il y avait du PVP aussi. Hein. C'est les gens qui, bon voilà, je peux en parler, hein, c'est un peu. Ils jouent pas au jeu correctement, c'est ça? Non mais en fait les gens qui jouent à Diablo en PVP c'est en général les gens qui trichaient en générant les items parce que faire du PVP dans Diablo avec Et il y avait Mass P.K. non ça? Avec les vrais items, bon en fait c'est un PVP où tu choisis. En fait tu rentres dans des games PVP, en fait tu vas te faire P.K. tu vois. C'est pas t'arrives dans une game et oh si je me suis fait tuer. Non parce qu'en fait tu sais il y a un mode PVP que t'actives et tu fais ta petite vie donc tu peux pas te faire surprendre et tuer de manière Les gars je suis dans un village, rejoignez-moi, je suis dans un village, je suis en train de tuer tout le monde là, venez. Je crois qu'on fait quoi là, Il est tout seul. Il est tout seul à l'autre bout de la map. J'ai trouvé des monstres. Mais qui est monstres partout. Tu es la moitié de la map là. Mais moi je suis là aussi de l'autre côté. Tu sais il est en mode moi je suis en groupe hein. Moi j'ai mon groupe hein. Kian, faut que tu joues avec la map ouverte hein. Tu nous as sur la map Kian. Kian c'est ce joueur qui part tout seul dans son coin. Mais t'avais vu tout les gars là, c'est tout là. Alors que tu sais on est tous les trois ensemble à ce prix. Ouais. Vous vous rappelez de Sonic 2 chiant, là. Où tu pouvais jouer avec Tails. Vous vous rappelez de Sonic 2 tu pouvais jouer avec Tails. On avait en groupe. Voilà, ça y est, je me rejoins les gars, ça y est. Ah, merci. Ok, nouvelle compétence. Mais là-bas, il y a un village avec plein de gens. Hein. Oui, bah, ils paieront. Bah, ils attendront. Ils vont payer, t'inquiète pas. Allez, vas-y, monte. Ah, bah voilà, t'as trouvé tes traits de foudre, bah, nickel. Oui, c'est ça bon. Bien. Oh, c'est bien, pas là d'un unique. Ouais, ça fait une petite zone, là, c'est cool. Ça, par contre, ça a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Bah, après, voilà, les AOE, toujours pareil, quoi. Contre le feu, ça fait mal. Pour le coup, ça c'est une vraie. Je crois que c'est la côte de la soirée. Info. Le feu, ça fait mal. La côte de la soirée. Vraie info. Le feu brûle énormément. Le feu, ça fait mal. Et ça, c'est... Et ça, ouais, dites-le dans le chat. C'est important. Ça, ouais. C'est ça, rappelez-le. C'est important, ça. Dites-le à vos parents. Ouais, ben bah, oui. Là, il y a des jeunes. C'est là, en fait. C'est là. Ah oui, d'accord. T'as bien. Fred, gros gameplay. Ouais, c'est. C'est pas mal. Non mais t'sais que ça ah, ils zonent bien. Ouais, hein. Ah non, mais c'est trop bien. Moi j'avais joué ça quand j'avais essayé le jeu et c'est vrai que c'est trop fort ce spell. Tu climes toute la map. En fait, il faut tuer les magiciens derrière parce que derrière oui, ils raisent. Ah ouais, ils raisent. Tout à fait. Ils sont relous. Tu es les chamans qui raisent les petits. Ah, par contre, entre vous et les mobs, il y a tellement de trucs. Genre, tu vois, en gros, Fred, plus tu vas monter ton éclair de foudre, plus il va faire d'éclair de foudre. Ouais. Là, déjà, c'est pas mal. C'est juste qu'il est pas très. Les éclairs ils partent pas n'importe où quoi. Ouais mais du coup là, tu couvres beaucoup. Ouais vraiment. Ouais. Alors attends, inventaire. Voilà. Tout le loot, à l'aide. Attends mais y'a un truc pour toi là. Viens au nord là, Alpha. Ouais. J'ai un truc pour toi là. Un Qatar. Mais j'en avais... Ah. SG. Kian essaie de te le voler mais c'est sans succès parce qu'il a plus de place. C'est super. C'est ça. Arrêtez, c'est des flèches. Full grillé. Vraiment le barbare pas malin quoi. Vraiment. J'ai mis je vais le mettre dans mon sac. Oh ben il est tombé dans mon sac. Oh ben je vais le mettre dans mon sac. Oh ben il est tombé dans mon sac. J'y arrive pas. Ah merde, j'ai pas de parchemin d'identification. C'est pénible. Ah, j'ai. Donne-moi, je t'identifie. Drop le. Alors attends. Je suis revenu en 97. J'ai cru que c'est Fred qui l'avait pris. C'est quoi Fred qui l'a pris, c'est sûr. Il est passé dessus en mode yoink. Drop le Qatar là. Lâche le Qatar. Quoi? Mais je vois pas de quoi vous parlez. Ah, putain, mais vraiment. Je sais pas, moi je. Bon, ah, des ceintures et des chats. Quoi, je voulais le vendre, c'est bon. Qatar de flamme. Oh ouais. Oh ouais. Je voulais le vendre, il a dit. Let's go, merci. Plus de race. Ah, faut aller où déjà? Ah oui, le passage machin. Ouais, c'est là. C'est ici. Par contre, vous avez pas de PV, Pepita Kian. Hein. C'est vrai, j'en ai là. Il faut ramasser des potions, messieurs. Petite popo là, glou glou glou. Par contre, c'est potions de mana que j'ai pas. Potions de mana, ouais. N'hésitez pas à me les laisser. Fais halt, GDG. Halt, ouais. Tu les as pris devant moi. Tu m'as dit de faire halt juste pour voir le mec les prendre devant moi. Attends, je te les range, je les dépose par terre. Il y en a plein derrière. Je vais mourir. Tu vas jamais mourir, impossible. Grenade. Tu as expérimenté, tu es un barbare qui connaît ses limites. Putain, j'arrive pas à faire la différence entre vous. Ouais, pas pareil, y'a trop de monde, y'a trop d'alliés. Au début, c'est dur, c'est vrai, j'avoue que c'était si dur. Les Amazones, là, il y en a 42 là. Mais pourquoi on est 12 alors, là? Il y a une Amazone. Il met toutes les nanas dans le même groupe, c'est super. Hein. Mais non, mais on a tous un mercenaire. Ouais, on a un mercenaire. On en a 3 d'Amazone. Ah putain, oui, Flavie, on en a. Ah, putain, elle s'est décuplée la vache. Non, moi c'est Paige. Paige.
en clay page. Et tu peux équiper ton Amazon en appuyant sur la touche O et en lui donnant des... Oh. Ah ouais, mercenaire. Touche comment elle s'appelle? Claudia. Claudia. Donc, le défi. Attendez-moi! Il a vraiment dit ça, putain! Je vais vous dire que j'arrive pas à voir! Il y a un arc court par terre! Ramassez l'arc court, donnez-le à votre Amazon! Qu'est-ce qu'il dit, le barbare? DG, donne-le à Claudia là! Oh, bah attendez, comment vous faites tout seul, les copains? Attends, comment. Ah, c'est un cul de sac! Comment t'ouvres l'écran des mercenaires? Comme mercenaire. Ok, ok. Ellie! Il faut aller là-bas, les gars, faut aller en bas! Attends, c'est Ellie, moi. Ouais, mais j'ai l'impression que ça trouifouille dans les menus là. C'est par là, Ça trouifouille. C'est par là, à mon avis, peut-être, non? T'as raison, ouais. Par là, par là. Oh, ça prend trop de mana cette merde, hein. Et je prends autre chose. Oh, la barbare qui nous met des cris et tout, c'est parfait ça. Hein. C'est pour vous, ça fait. C'est pour mettre de la défense. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Tu jouais quoi, toi, sur. Je pensais. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait marqué le spell, il sert à quelque chose pour vous. Ah non, c'est parfait, t'inquiète. Zera, tu jouais quoi, toi, sur Diablo 2 à la base? Moi, j'ai beaucoup joué sorcière et barbare. Mais j'ai une particulière affinité avec le nécromancien invocation parce que j'adore. C'est pour ça que tout le monde joue barbare. Bah barbare c'est la classe très efficace, simple, qui casse bien. C'est con quoi. Mais tous les joueurs de tableau avaient quand même une sorcière parce que c'est l'une des classes qui farme le mieux les objets. Enfin qui farmait le mieux les objets. Étonne. Surtout au début. Ah nano. À moi. Eh non, une tête. Désolé. À moi. Désolé. Comment ça tu l'as eu? C'est pas juste. Ouais, je l'ai eu. C'est quoi cette tête préservée d'auto-régénération? Ah, c'est moi, les anneaux des loots, ça clique très vite. Hein. Nécromancien, bah oui. Grenade. On a vu ça avec les OP aussi. Ah, mais c'est fort, les grenades. Tout clique très vite, tout clique très vite. Ça accepte très vite. Tout et n'importe cliqué, quoi. Tout est très vite cliqué. Sentinelle lame. Oh, c'est bien ça. Écoute, non, mais j'ai joué à Diablo, je me suis fait piquer des loots toute ma vie. Là, c'est bon, hein. Maintenant que j'ai développé des réflexes surhumains. Écoute, moi, à cette époque, là, je faisais du roleplay, moi, sur T4C. Mais T4C c'était avant hein. Parce que moi j'ai joué avant Diablo aussi, non mais c'était, non. C'était avant Diablo. Je crois aussi, hein. Tu crois? Je crois pas. Je sais pas quel est le T4C. Ça ressemble trop pour que ça soit sorti avant. Ah oh, T4C c'est bien plus laid que Diablo quand même hein. Pas au même niveau. Ah ouais. Moi j'ai un truc de ouf. C'est après carrément. Ah oui. T4C c'est Team Fortress non? Ils sont tellement loin. T4C, c'est la quatrième prophétie, c'était un jeu de rôle en ligne sur Goa. Ah oui. C'est ça. Sur Goa, ah ouais. Le serveur Goa. Ouais, sur Goa, ouais, ça nous rajeunit pas. Putain, Goa. Non, mais il était pas ouf ce lancement. Ce logiciel, il marchait pas du tout. C'était un logiciel pour le coup. Ah bah, Goa, c'était pas. Ça dépendait des jours, hein. Fallait être motivé, quoi. Alors là, c'est le passage souterrain niveau 2. Donc en fait, il y a un coffre au bout de ce truc, mais c'est pas là où on doit aller. Mais c'est pas grave. Voilà, ah, Troma me dit que T4C sortira pas Diablo. Ouais, non, mais moi je teste mon nouveau spell là, j'ai une petite scie là. Bonjour à tous. Charme majeur, je prends. Il faut que tu l'identifies, Fred. Bah, en fait, le charme majeur, c'est un truc qui reste dans ton inventaire et qui te fait un passif. Payant. Plus 3 à la dextérité. Bah écoute. Bah parfait. Bah ça sert bien à rien. Moi je veux bien. Hein. La sorcière. Moi c'est bien. Moi je veux bien aussi. Ouais, tu vas me donner, je pense. Bah ça dépend, vous avez quoi me filer en échange? Écoute, des potions de mana. Plein de trucs, donne-le moi et on verra ce que j'ai plein de potions de mana. J'ai une clé, elle sert à quoi déjà? La clé c'est pour ouvrir tout ce qui est verrouillé. Enfin non, pas tout ce qui est verrouillé en fait, juste les coffres. Mais, vas-y, je le jette par terre, c'est le premier clair masse. Ça dégoûte par contre. Mais ah, putain, désolé, j'ai confondu, c'était l'autre désolé, là. Non, désolé, mais non, mais Kian, il a lâché un truc par terre en même temps, j'ai cru que c'était toi. Ça va très vite quand ça quand c'est par terre, je suis désolé. Putain, casse les couilles. Tout ce qui est par terre, hop, c'est absorbé directement. Ça, ouais, c'est pire que le chien au côté de la table, quoi. C'est vraiment qui bouffe tout le reste. Il y a un truc qui tombe, hop. Là, regardez ce coffre là, hop, tout est dans le déjà. Tout le monde qui veut looter, mais qu'il n'y a pas de place, ça me tue. Tu vois les objets qui rebondissent à la chaîne. Ah, des gants de cuir. Oh, ah non, je peux pas, merde. Hop, gants de cuir, c'est pour moi. Tu les voulais? Ah. C'est bon. Wow. Comment ça? Pourquoi? Je les ai changés. Ah mais non identifié, fais chier. Tenez les gants de cuir, la résistance au feu, si quelqu'un les veut, hop. Ah voilà, c'est bon, j'ai pris. Je suis trop chargé. De lancer gant cuir pour. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, non, non. Je ne peux pas. Oui.
Oui. Vous aviez joué à Baldur's Gate. Mais bien sûr. À l'époque, il y avait un gars qui jouait ça au Cyber Café. Cyber Café, c'est un endroit, pour les gens qui sont un peu plus jeunes, c'est tu allais jouer là-bas. c'est l'endroit où tu avais internet. C'est l'endroit où il y avait internet. Son casque était branché et on entendait vraiment genre un gaspillage de talent. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous devez réunir votre groupe pour aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe pour aller plus loin. Vous devez réunir. Non. Non. De donner où? Putain, mais vous êtes parti où là? À l'aide, au secours. On est remonté. Reprends le. Ouvre ta map et remonte. Ouais. Non, mais en fait, maintenant, moi, je l'ai mis la map tout en haut à gauche tout le temps. Ouais, c'est on mieux. Peut mettre la minimap en haut à droite. Tu vas dans les options, c'est jeu, je crois. Non, et je peux pas faire ça. Non, non, tu vas dans les options et tu peux la mettre en minimap. Faudrait en un système où, genre, le premier qui fait des dégâts garde le loot, quoi. Y'a pas un système. Mais non, ça empêche le supporting. Il doit y avoir. Putain, mais y'a un mage. Tu l'as dit, y'a pas vraiment de supporting dans Diablo. Hein. Mais c'est interminable cette grotte. Mais t'avoue. Eh, vous avez vu, les gars, vous avez des nouvelles compétences et tout. Vous pouvez les mettre à jour, ça. Ah vous ouais, avez oubliez vu. Pas, hein. Oubliez pas, hein. Ah oui, t'as investi les points depuis le début, Fred. Très bonne remarque. Mon cher Kian. Chaque fois, tu peux augmenter les stats de ta force, etc. Oh, mais Alpha, il est si loin. Il faut attendre Alpha. Attendez, Alpha. Là, vous pouvez gérer votre inventaire, faites votre vie. Je vais même aller faire un petit tour en ville. Non, mais moi, je suis en train de tuer les mobs restants, là. Non, mais y a pas de mobs restants, là. Faut sortir. Ah, bah. Ah, y'a pas besoin de les tuer tous, du coup. Non. Ok. On me dit monte pas l'électricité, la glace et le feu c'est mieux évidemment. Non mais joue ce que tu veux. Non mais ça c'est va, la les optimisateurs là, c'est bah, bon. Évidemment, moi je sais que je respecte mon chat hein, bien sûr. je comprends. C'est pas ça, c'est pas optimisé à partir du level 37, c'est la frappe de dégâts. Allez <aide. rire> Trop chiant. Laissez les gens jouer. Mais comment il va faire après quand il voudra tuer Diablo avec... Il pourra pas, il n'est pas optimisé. Bon, putain je suis perdu, ça me saoule. Ce mépris quoi. Toxic Alpha de ouf. Non mais ça rend fou. J'en ai marre. Laissez les gens s'amuser. C'est par où le... Putain la sortie, je suis perdu. ça me saoule. Attends t'es où là? Je suis au niveau 1. Les gars, 1. Y a un... Là où je suis, ouvre ta map et déplace-la vers la droite avec flèche de droite. Et vous êtes parti. Déplace-la avec flèche de droite. Je vous ai fait un TP Fred et Kian, si vous voulez reprendre le mien. Oh putain. Ah merde, attends, oula, what the fuck. Je suis si loin. Au secours les amis, je vais mourir. Oh merde. Oh putain, il est là-bas. J'étais en train de me curer le nez au moment où je me suis fait attaquer. Me curer le nez. Ok, prends mon portail, Fred. C'est vrai, j'ai une preuve. Quand tu raises. Sexe. Je peux te la montrer. Trop sexy, quoi. Putain, mais Fred, quoi. T'es... Ça, c'est... Ah, tu vas y mourir. Ça, c'est vouloir faire cavalier seul. Ah, ok, c'est bon, celui-là. Non, je me curer le nez. Ah, je comprends. J'ai perdu mon... J'ai plus de... Merde. T'as plus de nez? J'ai plus de bâton. Où est mon bâton? Ah, c'est parce que j'ai du loot. En tout cas, t'inquiète, tes gosses sont bien gardés. 8 ans. Ah non, putain, mais c'est vrai qu'on loot des trucs? Quel enfer. Comment? Où est le truc? Ah, c'est là. Il faut que tu reviennes et que tu reprennes ton corps. Où est le système obscur? Ah, ici. Les gars, j'ai une petite armure sympa là, je vous la donne. T'as mis mes loot. Je prends. Oh ouais. T'as mis mes loot. Rends-moi mon argent. Non, mais c'est de la merde. Attends, ça fait 3 fois qu'il nous la donne son armure là. Ça bien, mais à chaque fois personne la veut. Moi je sais pas, je la ramasse. Parce qu'elle pue, elle pue, voilà. Bah après voilà, je transpire. Hein, moi je bats des monstres. Des gros monstres. Il manque qui là? Il manque Alpha. Il est où Alpha? Show shop. T'es à la maison? Je vends des trucs. Je vends des trucs de trop. Putain, mais c'est pas vrai. Les gars, les potions là. Vous êtes. Tenez. Tiens, attends, ça c'est pour JDG ça. L'armure de cuir en safran. Non, ça, regarde, ça. C'est quoi ça? Attends. Orbe de l'aigle, voyons. C'est de la merde, je pense que c'est de la merde pour toi. Je pense que t'as mieux, non? Sachant que j'ai que du gris, je sais pas. Ah, bah attends, en fait, ça va remplacer ton bâton. 15. Ça va remplacer ton bâton, mais ouais, faut mettre un peu de force pour porter du stuff, faut en mettre un tout petit ouais, peu. Ouais, je vois ça. D'étaler en hurlant de peur les monstres, et ça c'est quoi ça? Orbe de l'aigle, ok. T'as pas encore le saut, Kian? Je sais pas à quel niveau c'est dessous. Non, je crois que c'est un peu plus tard. Ouais, c'est plus tard, je pense. Tu peux avoir un saut, c'est nice. Ouais, c'est trop bien. Bah, en fait, il y a très peu de classes qui ont des moyens de se déplacer plus vite. Il y a la sorcière et le barbare. Y'a pas l'assassin? L'assassin, je me demande si elle a pas une micro-téléportation. Je connais pas très mal l'assassin, c'est une des classes que je connais moins bien.
Ok, j'ai une carapace des grelons. Incroyable. Il y a un arbre de ouf là, il est magnifique cet arbre. Sur la map. C'est le truc de la quête. Il y a un parchemin d'Inifus dans l'arbre. C'est tout à fait l'arbre de la quête. Vous devez le looter. Ah mais d'ailleurs, ça y est, je l'ai. Tu l'as looté ? Eh ben tu sais quoi, regarde, on va le ramener tout de suite, parce que je crois que ça fait la quête pour tout le monde. Ah on dirait. Revenez. Alpha vient. Ouais, j'arrive. Tu vas prendre le TP là. Et là tu vas le donner à Akara qui est là-bas à droite là. Ici. Attends, j'arrive. Attendez-moi les gars. J'ai vu marcher là, je t'ai vu marcher. Mais j'ai 90% de mon inventaire, c'est des potions. Perso a l'air con quand il marche. Je vais les vendre. Sache que si tu fais contrôle clic gauche, ça vend directement. Je lui vends ou pas ? Non, tu lui vends pas, tu pourras pas lui vendre de toute façon. Non, il dit les objets ne peuvent pas être vendus ici. Clé pour les pierres de Kairn. Ouais, c'est l'objet de quête, c'est l'objet de quête. Oh, vas-y, je vous le donne. Moi j'ai trop de responsabilités. Ouais, c'est trop dur, les gars, j'ai trop de trucs à responsabiliser là. On va aller au. Venez, on va aller à Tristram. Hop. Tristram. Ah non, mais c'est pas par là. Est-ce que c'est par là ? Pas le TP, Tristram. Ah, mais si, il faut aller là, puis après au champ de pierre. Venez par là. Venez au truc là. Vas-y. Au carré, et là vous prenez le portail pour les plaines gelées. Ok. Pleine gelée. Et là, il faut qu'on trouve le champ de pierre. Les gars, juste, regardez, je vais pas courir, mais il est trop marrant. Regardez, avancez et moi je vous suis, regardez. Mais vous courez. Attendez-moi, les gars. Attendez-moi. Mais oui, mais cours. Attendez. Appuie sur R, Golgoth. Attendez-moi. Arrêtez, vous vous moquez de moi, arrêtez. Appuie sur R. Cours. Nalbuck Wish, quoi. Ah, attends, c'est par là. Est-ce que c'est par là? Nalbuck Wish. Je pense que c'est par là. Ouais, non, peut-être pas. Ça sert à rien. On a des quêtes, lancez le dialogue. Nous avons affaire à un démon aussi incroyable. Je sais pas quoi. C'est la voix Google qui te lit une quête démoniaque, tu sais. Alors, vous devez capturer le démon. Oh là là, les vagues d'énergie là, à l'aide, hein. Il est en train de balancer. Ah, moi j'ai compris comment ça marche, ça. Ouais, je vois ça. Faut se le faire, hein, quand même. Hein. Écu. Ouais, je sais pas où c'est le champ de pierre, hein. Tant pis, hein. On pourra pas faire la quête, hein. Non, je sais pas, attendez. Je crois que c'est par là, hein, mais. Bon, je crois que après, je suis un barbare, les gars. Je crois que c'est pas du tout par là, c'est un mur, hein. Je crois que c'est clairement un mur pour le coup. Ah oui, parce que là. Ouais, parce que c'est procédural, en fait. Il faut le chercher, quoi. Ouais, c'est tellement procédural. Putain, mais il est parti tout seul, encore Zera, c'est pas possible. Non, mais je vous attends, pas de problème. Quelle est la différence entre Diablo 2 et Diablo Resurrected? Ça. Voilà, c'est ok. Suivez la flèche de lumière. Allez, baston. Petite différence. Et donc là, venez, on va aller au sud. Il faut trouver. Attendez-moi, les gars. Toi, tu vas te mettre à courir, hein, je te le dis. Hein. Une amulette. On va pas. Allez, le ramasser, c'est pas possible. Petite amulette là. Non identifié, j'identifie. Oh, plus trouver... 10 au score de. Oh ouais. Trouver 5 gros cailloux. J'ai plus de. Ça y est, j'ai plus de. Je suis séché. Ah, ça y est, j'en ai trouvé un. Okay. Mais non, pas du tout. Je suis sûr qu'il devait y avoir des modes ou des commandes pour ramasser les loot automatiquement. Bien sûr que non. Par contre, la sorcière a une capacité pour téléporter les stuffs dans son inventaire qui s'appelle télékinésie. Ah, c'est fort ça. Et parfois, alors c'est fort oui et non, c'est-à-dire que... C'est utile. Pas dingue, yes. si tu joues seul, c'est pas dingue. Mais, ah, c'est mais pour groupe, casser ça, les couilles ça, du groupe. Ça pouvait clutch en gros. Ah, ok. Ok, là il y a un portail, des champs de pierre, vous pouvez le prendre, c'est un plaisir, vous pourrez y retourner plus tard. Hop, c'est récupéré. Livre moisi. Vas-y, viens, un super livre moisi. Ah, bon. Ça c'est du lore. Lore. Le lore. Suis la flèche de lumière, Kian. L'important, le lore. Allez, je l'ai. Donc ça c'est le lore qui vous donne la quête de la comtesse. Ah, bien sûr. Qui vous dit la vampire. Que, une comtesse qui se baigne dans le sang revigorant d'une centaine de vierges, c'est super chouette et tout. Tiré d'une histoire vraie. Classique. Qui s'appelle Orio Kezak. Exactement. À mon avis, c'est par là. Trash ouais, par contre, ça vient vraiment d'une légende de la vraie vie, ça. Ah ouais. Genre, quoi, quelqu'un qui se baignait dans le sang d'une vierge. Oui, non, enfin une comtesse qui se baignait dans le sang de jeunes femmes pour retrouver sa jeunesse. Ça vient d'un truc. Ça vient d'une légende, quoi. Bon, à mon avis, ça marchait pas. Mais si, voilà, Bathory, voilà, la comtesse Bathory. Merci. Ouais, mais est-ce que ça a marché? Non. Écoute, t'as testé? Elisabeth Bathory. Bah, j'ai pas testé, mais. Bon, bah voilà. Là, je suis très fort en chimie, à mon avis, ça marche pas. Quoi servent les clés, vous savez? Écoute, à l'époque, elle savait pas, fallait tester. À quoi servent les clés? Putain, mais il me l'a déjà demandé tout à l'heure, ça. Ouvrir les portes.
Moi, je suis un barbare, C'est là, c'est là. Ah, c'est lent, je veux courir plus vite. Ça sert à ouvrir les coffres verrouillés, Kian. Donc en fait, ils ont une clé. Mais moi, je veux des grosses vagues de mobs là, maintenant que j'ai plein d'éclairs. Attention, les électricités du mob, c'est pas de JDG. Ouais, voilà, exactement. Les HP que j'ai à l'aide. Attends, comment on affiche vos points de vie, la barre du groupe? On peut pas, c'est en haut à gauche normalement. Non mais si, je les voyais. Mais ouais, en haut à gauche, je les ai plus à l'aide. Je sais pas pourquoi. Ah, ça avance de cliquer partout dans les deux. Fou, le mode 8 bits là, il rame, enfin 32 bits, il rame plus que le. Ouais, c'est bizarre hein. Ouais. Ils ont fait un truc avec le framerate et tout, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est pas. Ouais, le framerate il est vachement lent. Je sais pas si c'est peut-être de volontaire. On dirait que c'est en 10 fps alors qu'à l'époque ça tournait mieux que ça. Ouais. OMG, j'allume les pierres. Là, ça va ouvrir le portail vers Tristram. Ah, c'est le mode original est limité à 25 fps, on me dit. Ah. En même temps, c'est pas très grave puisqu'on ne peut voir qu'à 24 fps. C'est vrai que ça, du coup, ça n'est pas très grave. Allez, prenez le portail rouge. On va aller à Tristram. Donc, ça, si t'as joué au 1, Alpha, ça va te rappeler des oui. J'avais fait ça dans l'Alpha. J'avais fait tout l'acte 1 quand j'avais essayé le jeu. Bien sûr. Acte 2, ça se fait bien en plus. Ça se fait assez vite en vrai. Les têtes préservées, c'est pour le nécro. Ok, là on va aller au milieu, venez. On va au milieu de la place. Allez là, vas-y, Gris au milieu et on a eux. Au milieu de la place. Là, je suis en train de taper un gars qui est très fort là. Hein. Ouais, c'est Griswold. Ouais, parfait, JDG par là. Oh, par contre, fais gaffe, JDG, fais gaffe. Ah merde. Moi, je regarde pas ma santé, moi. Moi, je suis pas bien intelligent. En train de lui casser la gueule, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est bon, j'ai muté. Ah, y'a quelqu'un qui veut identifier, mais attends, c'est quoi? Bien joué pour Griswold. Non, mais vas-y, reviens, JDG, ça c'est des cartes Kane, c'est le mec qu'on vient de libérer. C'est bon. Identifier tes objets gratos. Là, je vais encore crever. Non. Mais si, putain, non. Au secours! Non! À l'aide! Reprends ton corps! Mais c'est fait! De l'or. Ils sont au-dessus, JDG. Les éclairs qui vont pas dans la bonne direction. Mais si! C'est bon. Moi je m'occupe du petit Thomas le Golgoth là. Oh putain. Je l'emmène dans la ville, je lui fais visiter. Ça te plaît ce que tu vois? Ça te plaît? Il comprend pas que je parle à lui. Ouais, il gère Kian, Alpha il gère Kian. Il comprend pas que je parle à lui. Petit Golgoth. Ça te plaît la visite? Ça te plaît la visite? Tu as vu, il y a des belles couleurs. Un peu brûlé? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi le truc qui fait du feu là? C'est bizarre, ça fait chaud. Il essaie de parler au barbare. Faut pas toucher, c'est du feu. Ah d'accord. Ok, c'est chelou. Tiens, JDG, regarde. Oui. Clique sur le cadavre là, qui est à droite. Ici, la clé là. Là où je suis là. La clé. Là où je fais des flèches là. Là. Ici là. Oui, là. Oui. Clique sur là. Lui, là. Oui. Voilà, regarde, dégole. Ah yes. Allez, de l'argent. Attrape les pièces. Oh oui, l'argent. Ah, c'est le petit avec sa jambe, c'est ça? C'est celui qui est. Oui, Wirt. C'est la jambe de Wirt, bien sûr. La jambe de Wirt. De Wirt. Bon, je la prends. Donc ça, c'est l'objet pour débloquer le niveau des vaches, une fois qu'on aura fini le jeu. Voilà, dans 2-3 heures. Dans 20 minutes, quoi. Et ça sert à faire le niveau des vaches, voilà. Vous mettez ça dans le cube Oradrim avec des parchemins de téléportation. Et ça vous crée un portail vers le niveau des vaches. Voilà. C'est énorme. Incroyable. Niveau des vaches, emblématique, évidemment. Qui est devenu le monde des poneys licornes dans le Diablo 3, je crois. Oui, pourquoi d'ailleurs? Bah parce qu'on dit les vaches, on a déjà fait. J'aime des vaches. Faisons un truc. L'ennui, ça s'appelait lui. Oui, ça s'appelait l'ennui, c'est vrai. L'ennui. Calme-toi, Fred. Calme-toi, Fred. Quoi? Fred, il balance toute sa mana dès qu'il voit 3 ennemis. Ah non, il y a aussi un niveau des vaches dans le Diablo 3. Ouais, on a fini. On prend le TP. Ok. Il est là, il est au milieu de la place si vous voulez. Ah, très bien. Ah, y'en a un autre. Ah, où est la place? Les TV sont revenus, c'est incroyable. Et lui là. Alors, des cartes Kane, identifiez vos objets gratuitement. Ah ouais, ouais. C'est bien ça, ouais. Ouais, il m'a parlé tout à l'heure et j'ai. C'est bien, sauf si t'es pressé et que tu veux absolument savoir. Divers. Tout de suite quoi. Attends, mais comment il identifie? Moi, il veut pas, hein. Tu lui reparles, non, tu lui reparles. C'est lequel qui fait ça? C'est Descartes Kane, le vieux en gris là. Ah oui, d'accord, je vois, ouais. Ah, je sais pas, il veut pas, c'est pas grave, ça change rien. Mais si! Non, j'ai rien identifié, je t'assure qu'il veut pas, hein. Moi voilà, c'est pareil que Fred. Il faut que vous ayez des objets à identifier, sinon il ne vous le proposera pas. Ah, il y en a pas.
Il ne va pas trouver quelque chose qui n'existe pas. Forcément, il peut pas être enchâssé dans les objets avec des chasses, mais j'en ai pas. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de gemmes. Et voilà. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Force nécessaire 15, résistance 21, résistance 20. C'est mieux ça. Je peux pas. Tu peux appuyer, tu peux maintenir majuscule comme dans beaucoup de jeux pour voir deux items et les comparer. Attends, ouais. De toute façon, je vais voir mon truc. Pas des trucs à acheter là. J'ai. Ouais, t'aurais peut-être pas dû vendre cet anneau. De quoi? J'ai vendu un anneau, il m'a coûté. Je l'ai vendu 2000 balles, à mon avis, c'était bien. J'aurais pas dû le vendre. Ah merde, il faisait quoi? 8% de chance de découvrir des objets magiques en plus. C'est, non, c'est ce qu'on appelle du MF, donc du Magic oui, Find. Oui, Magic c'est Find, stats, ouais. C'est une des stats les plus recherchées dans Diablo. Ah merde. Non, mais après, c'est recherché quand t'es niveau 1 milliard et que tu fais des runs. Ah, moi, j'ai vendu un diamant et on m'a dit qu'il fallait pas le vendre. Ouais, si, c'est bon, on s'en fout. Ouais. En fait, quand t'as les diamants équipés, tu génères aussi la stat. C'est une fois qu'il est dans ton inventaire, tu peux générer cette stat pour avoir dans des. Dans l'inventaire, ça fait rien. Il faut le mettre dans un item que tu équipes. Ah d'accord. Ça, c'est ça, ce dont tu parles toi, c'est les charmes. Quand t'as des charmes dans l'inventaire, par contre, ils font effectivement ce qu'ils donnent. Ok d'accord, j'ai compris. Tu vois genre ça, attends t'es où là? T'es où? J'ai un anneau en fer d'énergie par exemple, ils disent plus 34 au score d'attaque. J'en fais quoi de ça par exemple? Ça tu peux l'équiper dans. Tu peux l'équiper. Putain, c'est dans bien. D'anneau. Ah oui, il y a un truc d'anneau là, j'ai pas vu. Tu peux équiper deux anneaux. J'avoue que son. J'ai vu un homme résistant à la foudre. Tian avec son casque, il a l'air abruti, c'est terrible. Et t'as rien de bouquet, c'est ma maman qui me l'a. Regarde, avec Kian, son tu bol. Tu vois, Kian, ce que je drop au sol là? Ce truc là? Je sens que déjà, c'est sa mère qui l'a appelé à force de gueuler dessus, c'est pour ça que c'est son nom, il est en majuscule. T'es. Kian! Donc ça, en gros, tu le laisses dans ton inventaire et ça fait ce que ça dit. Attends, c'est où? Arme. Oh, putain. Reprends-toi. Reste bien. Oh la vache. Concentration. J'ai grand charme de flamme à garder dans l'inventaire. D'accord, ok, j'ai bon compris, ça y est. Charme, tu veux le récupérer? Non, vas-y, ouais, donne-le, ouais. Ouais, redonne-le, ouais. Oh bah tiens. Merci bien, merci. Tu me l'as acheté, mais je te le rends si tu veux. Tu me l'as rien acheté du tout. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? La tour dans le marais. Ah oui, putain. Portail, messieurs. Non, pas portail ça, portail. On était où là? Ah, on était à Tristram. Oh putain, c'est long ce qu'on doit faire là. Oui. En fait, il y avait un portail à Tristram, en haut à droite de Tristram, oh si vous voulez. On a raté le portail du bois obscur, on a ruiné. En haut à droite, il y a un portail, regardez. En haut? Jamais de la vie, ce qu'il raconte. Je vous assure, il y avait un autre portail en haut à droite. Oui, mais c'est, le par, champ là de on pierre. Est, c'est par là où on est arrivé, Kian. C'est oui. Totalement possible. Oui, oui, non, mais non, là il faut reprendre le. Pour le coup, là... c'est exact. C'est vraiment exact ce que tu viens de dire. Non mais là on a ruiné parce qu'on n'a pas pris le TP du bois obscur en traversant tout le passage, donc il va falloir qu'on retraverse tout le passage. Donc là faut aller au champ, là faut aller aux plaines gelées. Plaines gelées. Okay. Faut aller au champ de pierre, champ de pierre, champ de pierre. Champ de pierre. Ok. Faut aller au champ de pierre et là faut retourner tout au nord, reprendre le passage sombre, machin. C'est là où, ouais, bref, c'est là où quand t'es sorti t'es mort en te curant le nez. Cet endroit-là. Il faut retourner à l'endroit. Une mort tragique. J'ai la ref. Faut retourner. Pourquoi je peux pas aller au champ de pierre, les gars? Un champ. Oui, t'es. Ouais, je peux te TP, ouais, vas-y, prends mon TP. Attends, je me retourne au camp et si tu peux. Je t'ai fait un TP là. Champ de pierre, ça y est, je l'ai. Ah, merde. Moi j'ai acheté les tomes d'identification, moi je suis peinard. Ouais, c'est bien, c'est bien. T'es le charme, c'est quoi? C'est de la merde, c'est résistance au feu, c'est de la merde. Joseph. De là. Donc là voilà, vous venez dans cette grotte. Et on a déjà fait cette grotte, donc là normalement c'est tout à droite, c'est un peu relou. Est-ce que c'est la même grotte à chaque fois ou pas? Non, c'est pour savoir. Alors c'est la même grotte parce qu'on est dans la même partie, mais si tu quittes et que tu recrées une partie, ce sera une grotte différente. Ouais, c'est procédural. C'est procédural. Mais là par contre, tant que tu restes dans la même partie, c'est, ça garde. Mais est-ce et que si, c'est... Et si tu fais un perso en hors ligne, donc en solo, par contre, il n'y a aucun moyen de changer les trucs de procédural même si tu quittes le jeu et que tu reviens. Ce sera le même truc. Mais alors attends, c'était procédural à l'époque déjà? Tout ouais. À fait, évidemment. Wow, d'où l'utilité du map hack de la plupart des joueurs. Le map hack. Le map hacking. Ouais, le map hacking. Le map hack. La plupart des gens utilisaient un map hack en ligne. Ah, c'est durant en 98. Qui était toléré, on va dire toléré. Et ça faisait quoi exactement? Ah bah ça, en fait t'appuyais sur tab et t'avais toute la map qui était révélée. Ah bah ouais, c'est du cheat, ouais. C'était du map hack, c'est un map hacking. Marco Polo, voilà. Bonjour à tous. C'est totalement Marco Polo et c'était toléré par Blizzard. C'était pas... c'était pas... C'est pas officiel mais c'est...
Les gens disent que c'était presque pas de la triche. Ouais, voilà, avancez. Alors, c'est en haut. C'est bon, Pépita, Kian, on est bon. On a peut-être appuyé sur votre touche de endurance. Ah oui. Tolérer à fond avant la purge. Quand, ouais, tu zoomes, quand tu zoomes, les persos, ils sont vraiment. Les détails sont vraiment cool. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, c'était pas le cas à l'époque. Hein. L'époque, c'était un peu rude. Hein, à l'époque. Beaucoup moins le cas à l'époque. Allez, dans. Quand tu zoomes, faut surtout pas appuyer sur G. Hein. Faut pas que la touche. Pas que le doigt. Je suis tellement lent. Et quand t'appuies sur G, ça me fait penser à l'époque de Carmageddon. Vous vous rappelez de ce jeu? C'est un peu ouais, le même. Bien sûr. Les mêmes pixels, un peu. Tu pouvais écraser les gens et ça restait sous les roues et tout. Quelle arc. L'avant GTA. Ah, l'avant GTA, c'est pire, hein. C'est bien pire, je pense. Hein. Il y a le sang qui coule, les traces et tout. C'est. La Carmageddon, c'était bien beau, hein. Ouais. La Carmageddon, depuis combien de temps j'avais pas entendu ça? Il y avait des succès hyper durs dans le jeu, voilà, pour la petite anecdote. Ouais, c'est vrai. C'était grave dur à finir à 100% comme jeu. Mais il avait fait tellement un bordel, ce jeu, alors que t'avais d'autres jeux qui étaient tellement plus violents, genre. Les gens qui se souviennent de Die Hard Trilogy sur PlayStation, quoi, quand tu. Ah, Die Hard, c'est. Ah, il était dur celui-là. Quand t'étais genre en voiture, que tu explosais des centaines de gens qui marchaient sur les trottoirs, quoi. Ah, ça, les Carmageddon, la vache, quoi. C'est quand on avait marre de jouer à Midtown Madness, tu vois, Carmageddon. Ah, putain, je jouais à Midtown Madness, moi. Ah, yes, c'est un nouveau sort. À fond dessus, ouais. J'avais tout, moi, motocross, monster truck. Ils avaient décliné dans tout. Non mais Postal c'était bien après. Ah oui, Postal. Putain, les gens disent ouais Postal, parce que c'est vrai que dans les jeux. Qu'est-ce qui se passe là? La référence mitraillette. La référence ultime. Ça marche pas. Censuré ou qui ont choqué, c'est Postal, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est le premier qui a. Il marche pas ce sport. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment ça, il marche pas? Qu'est-ce que t'as appris? J'ai champ électrostatique, un champ électrique qui blesse tous les ennemis proches. Ah, ça, c'est un AE sur moi. C'est dommage. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment de la merde. C'est très. D'accord. En fait, c'est portée très courte. Et c'est pas dingue. Prenez le portail là, Kian! Il a pris le portail, mais évidemment qu'il a pas pris le portail. Viens ici! Non, mais attends, pardon! Kian! Tape sur la petite croix bleue là, c'est bon? Ah, il a bien choisi son pseudo, hein. Kian! 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 Au secours! Bon, on a pris le TP, on peut quoi? C'est une ref, c'est par là. Kian au secours! Kian au secours! Kian au secours! Kian! Les gars, j'ai l'impression que je suis un PNJ là. Non, t'inquiète. Il faut juste que tu ouvres la map et tu suis et voilà. Entre dans le marais. C'est barbare quoi. Oh là, il y a des brutes. Il y a des singes. Il y a les cousins. Il y a les cousins de Kian. Les cousins de Kian. Bon. C'est mon frère, je le connais. Il s'appelle Hugues. Là, suivez-la. Attends, c'est par où? Qu'est-ce qu'on doit faire là déjà? Ah oui, le marteau. On est où là? On est au marais sombre. Pourquoi t'as un parchemin au-dessus de ta tête là? Genre, c'est trop stylé. Parce qu'il a pris le buff. D'expérience. Mais d'ailleurs, c'est un par personne. Totalement. Ah, c'est l'époque, hein. C'est l'époque. L'époque. L'époque, c'est on se. On doit aller cliquer vite. Hein. L'époque où on se donnait des trucs à trop drôles. Ouais, exactement. Avant qu'on soit des animaux, là. L'époque première arrivée pour les servir. Hein. Putain. Ah, ouais, non, clairement. Yuki a le bail. Yes, c'est la plein de trucs. Ah, je sais pas si on aura, si on pourra finir l'acte 1, mais on va au moins. Bon, je pense que si, non. Oh là, le groupe! Grenade, grenade. Merde, je suis mort. Oh, bah alors. Bah bravo, mais peut-être pas finir l'acte 1. Alpha dans la merde. Non, je pense pas qu'on finira l'acte 1. Est-ce que vous pouvez TP ou pas? Ouais, vas-y. Ah, je vais crever, au secours. Putain de merde. Ah, mais parce qu'il est, électrique. Les mobs électriques, c'est les. C'est les noob killers. Noob killer. Les termes ont été dit. Non mais parce qu'il faut faire attention, faut regarder, faut sortir des armes. On va marrer sombre, oh c'est ça. Oh là là, tous vos golds là, oh là là. Ah, on peut loot ses potes. Évidemment. Quel enfer. C'est la base, c'est la base. Ah la vache. Il est où mon corps? Ah c'est dur. Appuie sur la map, On va faire attention avec qui on joue, hein. Oh là, c'est quoi cette merde? Eh, j'avais d'autres trucs. T'avais des golds. Ah mais sinon, putain, je me trompais de ça. Qu'est-ce que cette merde? Ça se tue? Ouais, ça se tue bien. Ça c'était quoi? Ah oui, c'était le truc qui fait pop les oiseaux de con. Ouais, c'est ça. Les oiseaux ruche, de con? Une sorte de ruche. Bah les oiseaux de con, voilà, les oiseaux de ruche. Con là.
Tu vois, c'est c'est un nid de faucons de sang, donc ça fait quoi de faucons de sang, voilà. Ah, mais tir multiple, c'est déjà fort, hein. J'ai oublié. Oui, bonjour, j'aimerais un jeu pour tester la résistance de mon bouton gauche de ma souris. Diablo 2. Ça, c'est clair qu'à Diablo. Après, tu sais que tu peux laisser appuyer le clic gauche. Comment ça? Bah, si tu laisses appuyer, ça fait comme si tu spammais, tu vois. Ah, bah ouais, bien, ouais. Et c'est pareil pour le déplacement. Bon, cela dit, moi je connais l'astuce et je clique comme un animal quand même. Hein, donc, tu vois, bizarre. Parfois. Ah, t'as 13 cagoles, Zéra? Pas vraiment. Bah évidemment, il tape pas, il fait que looter. Ah. Sorti du contexte. Tout ce que je peux dire, c'est que les golds sont lootés. Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai un casque ailé pour les barbares. Ah, casque ailé, c'est bien, je devrais le prendre, Ken. Ah ouais, ça, ça me plaît. T'auras peut-être ton perso a l'air moins con, je pense. Ça veut dire que je vais voler comme un pigeon. T'aurais dû le voler comme un pigeon. Score, à l'aide. Non, y'a pas de à l'aide. Tap, tap. Des sorts de défense. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de viser. C'est bien quand Fred panique, c'est juste. Il est où le casque ailé, les gars? Il est où le casque ailé? Attends, je te file. Tiens, regarde. Casque ailé. Ah, il faut l'identifier. Bougez pas, je veux juste identifier le truc. Deux secondes. Hop. Ah putain, chambé, merci. Il te l'a même pas identifié, quoi. Ça va, déjà, je te donne. 5 euros, j'aurais pu le vendre. C'est vrai, c'est vrai. Yes! C'est le mob. Ah, mais ça c'est. Ouais, j'avoue. Ah, il est content là, et là il est content là. Je l'ai genou PL là. On peut avoir la même. Si j'étais pas là, je peux rien, je pense. Ah ouais, là c'est. L'OP n'aurait pas eu lieu. Ouais, c'est clairement. J'avoue, c'est. On peut pas jouer, on a pas JD1, j'en suis sûr. Non, mais là franchement, c'est incroyable. C'est vrai que c'est très fort. Tu tues tout le monde. Ça éclate tout quoi. Il vient peut-être l'acte 1 avant la fin du stream. C'est pas par là, c'est énorme. N'allez pas dans cette grotte, c'est pas par là. On va plutôt aller vers là-bas. Oh, dis donc, eux là. Attends, il y a une fosse de mana dans la grotte. Non, mais c'est nul. Non, mais je recharge le mana, je repars. Ah oui. Un arc de chasseur, un arc jaune. Ah, mais ça va. Je l'ai. Ne vous inquiétez pas, j'ai eu. Ah, mais Zera qui flippe. Il est badass, mon casque. Vite. Eh les gars, le casque là, j'ai moins l'air d'un débile là, regardez, c'est trop bien. Incroyable l'arc. Ton casque là. Regarde tes mains. Ouais, bof hein. Non, t'as pas le casque ailé là. Non, si. Bah si, c'est le casque ailé ça. Tes cornes ressemblent à des... Enfin, tes ailes ressemblent à des cornes, je trouve. Ah ouais, c'est un casque... Ah ouais, c'est... Effectivement, ok. Ah, c'est un peu plus stylé, là. Moins l'air de... Genre, j'ai mis le casque de Madarod là, qui l'a fait ce matin. Allez, par là. Alpha, le bol. Mauvaise direction. Le bol du chien. Le bol. C'est pour couper mes cheveux, elle fait toujours ça. Le bol du chien. Bon, ça va être par là. Là, c'est bon, là. Le sang, là. Donc là, on cherche la tour de la comtesse. Afin d'aller lui oxyre ses morts. C'est pas genre un truc facultatif? Non, si. Ah non, merde, putain, on est au port du monastère. Non, mais c'est nul, venez en arrière. Mais c'est pas là? Non, c'est la dernière. C'est le dernier truc, ça. La comtesse, c'est avant, je crois. Ouais, comtesse, c'est optionnel, mais y a beaucoup de loot. Tapé. T'es parti où, genre? Ramenez-vous derrière là! Ah, mais on voit pas ton pseudo! Mais je sais pas moi, il y a un bâtiment là. Vous avez dit de sortir et ils rentrent comme des animaux. Pourquoi ils nous engueulent? Je sais pas, il est ténueux celui-là, il est nerveux. Allez, venez là. Il est nerveux le chef. Putain, on est pas dans la si on appelle à porter ses meubles, il a pas de loot, hein, c'est pour ça. Allez, venez looter mes meubles là. Il est nerveux le chef. Wow. Putain, c'est pas la bonne zone. Putain, j'ai vu, c'était une serpillière de faible qualité. Je commence à le tab maintenant, ça. Oui, ça y est, tu vas voir. Même le masque qui se juge, ouais, non, faible qualité pour le coup. Non, mais je sais même pas ce que c'est, hein, une cervelière. Cervelière, c'est un petit casque. Un petit casque juste pour le cerveau. Juste pour le cerveau, protéger le cerveau. Ça doit être par là, je sais pas, j'imagine. Non, c'est pas là. Saigner la gale, là, y a des gars, ils sont bien forts là. Rien de farmer là. On s'en fout. Il est tout seul, ils n'ont fait la même que tout à l'heure. Oh, y a le portail ici. Je me défendais. Je suis tout seul. J'attends Kian ici. Ok, c'est bon, je l'ai pris. Kian, suis la flèche de lumière. Je suis la lumière, Kian. T'aurais dû t'appeler Waze. Bonjour les copains, bonjour. C'est bien, c'est plus simple quand il y a de la lumière. T'aurais dû juste t'appeler Waze. Une bait.
Ah, y'a des loot. Un gourdin blanc, jaune. Je peux le temps de cliquer dessus. Can. Le message, il a juste eu le temps d'aller à mon cerveau pour me dire il y a un loot par terre. Pas le temps de revenir sur les doigts. Par terre. Chanson de l'aigle. Non, gourdin. C'est un gourdin. C'est JG qui l'a pris, je sens. Il goûte pas. Non, pas du tout. Il goûte rien. Non, je l'ai fait. Rends le gourdin. Mais c'est pas le même gourdin. J'en ai un autre, moi. Rends le gourdin, putain. Déjà, ok, tiens, voilà. Ah, le bâtard. Ah, rends le gourdin jaune là! Mais non, je il est nul le gourdin, c'est bon, je l'ai, c'est bon, il me l'a donné, il m'a filé, le champion de l'aigle, je l'ai. Ok, allez, c'est bon, les c'est enfants. Bon. Allez. Vers la police des loots, hein. Dit-il en pillant les cadavres. Ouais, dit-il, le thé. Bâtard. Je suis le régulateur du marché, c'est pas pareil. Le régulateur, ok. Ça n'a rien à voir. Légalisateur. La définition de pourquoi le capitalisme ne marche pas. Contrôleur fiscal. Oh, c'est là! Écoutez-le, le contrôleur fiscal. C'est... Je contrôle qualité, je suis Q&A. Ok, c'est bon. Ok, belle compo. Donc là, il faut s'enfoncer de plus en plus, titre dans la tour, avec le 4ème niveau, qui sera celui de la comtesse, je crois. Et voilà, plein de loot à la clé et du bonheur. Je suis perdu. Amulette ! C'est pris, vous inquiétez pas. Plus 1 au dégâts max, je drop par terre. Hop, quelqu'un veut cette amulette. Qu'est-ce qui se passe ? Merde ! Je suis mort. Allô. Hein, mais oui, je suis mort. Comment ça, t'es mort? Ah oui, t'es mort. Je te fais un TP. Attends, je te fais un portail, bouge pas. C'est bon, j'ai fait. Bon, t'en as deux. Il y a deux portails. Moi, je veux savoir. C'est qui tu préfères? Attendez. Préfères qui, hein? Combien de tas de thunes sur toi, Kian, là? Ah, je vais pas. T'as piqué mes thunes. Tu vas me rendre mes thunes tout de suite. J'ai 300 balles, j'ai rien du tout. Non, vous allez me rendre mes thunes tout de suite. Je sais où est votre argent. Vous allez me rendre mes thunes tout de suite. Envenez, c'est pas là, brûlez-vous. Non, on va pas changer de sujet de conversation. Tu vas me rendre mes thunes tout de suite. C'est pas ouam, j'ai 300. Mais tu n'en feras rien de l'argent. Tu ne sais même pas comment le dépenser. Il vaut mieux pas que t'en aies. Tout de suite! C'est pour ton bien qu'on prend ton argent, on peut. Heureusement qu'il n'y a pas du PVP, putain. Oh là! Ah putain, mais ils sont pas descendus! Descendez! Ah, je fais la grève du zèle. Putain, ils sont pas descendus, Alpha! Quoi? Ouais! Putain, mais descendez, bon. Bordel! C'est bon, voilà. Je suis là! Mais je... thunes! Mais thunes! T'en feras rien! T'as combien de thunes sur toi là? Non, mais t'as récupéré. J'étais au marchand, j'ai voulu m'acheter un truc là, un stuff pour. Je me suis dit putain. T'en feras rien du tout. Y'a même un mec qui gère l'OP qui m'a envoyé qui m'a dit ah, GG, si t'avais des thunes là, tu pourrais faire des trucs de ouf. Mais écoute, il vaut mieux qu'on gère ton argent, il sera mieux placé. Putain. Eh, tu m'as pris l'anneau là, Fred? Mais t'as pris la jaune! OMG. Après l'anneau, là, Fred. Les potions de vie, laissez-les-moi, les gars. On va arrêter de voler les trucs aux gens, là. Je me le rendrai quand on m'aura rendu mes thunes. Y'a un JDG, il est où? Viens par là. Oh là, y'a un truc magique, là. Les gars, y'a un truc magique. Pas toi, putain. Mais putain, pourquoi ça a le table? Attends, il est où? Je suis là, je suis à côté de vous. Viens. Les gars, je suis en train de me battre. Quoi? Prends ça. Mais il va pas me rendre mes thunes, c'est pas vrai. L'équipe là, elle est bien. Mais c'est pas moi qui ai des thunes, putain. Mais bien sûr que si, c'est toi qui d'autre. Ah ouais, j'ai la vérole destructeur là, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un boss, les gars. Putain, t'es où? Ah oui, là, ah là, juste là, là. Je suis avec toi. Ah non, on l'a eu. Non mais moi, JDG, j'ai les thunes de tes 3 précédentes morts, mais pas la 4ème. Un gueule chien de... Rien à voir, en fait. Hein, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas moi qui t'ai piqué cet argent là, spécifiquement. T'avais pas genre 300 balles sur toi, là, quand t'es mort, là? C'est là. Parce que Zera m'a dit qu'il a trouvé 300 balles. Putain justement. 300 balles, c'est rien du tout, 300 balles. Je les donne, C'est quoi une cartouche de gaz, les gars? C'est quoi ce truc là? Ça, tu peux le ramasser, ça vaut très cher à vendre. Ouais, ah, ouais, j'en ai vendu un. À la base, c'est une potion pour lancer du poison, tu vois. Mais c'est une potion de lancer de poison, mais en fait, on s'en sert pour le vendre au début. Faire de l'argent. Alors, attends, comment on met la map en mini là? Tu vas échappe, option, jeu. Ouais. Tu scrolls en bas et en bas sur carte auto, tu mets mini carte à gauche. Mini carte à gauche. T'as différentes sélections. Je vois pour. Tu scrolles tout en bas. Tu scrolles tout en mais bas. T'as une carte, j'essuie plein écran, mais une carte à gauche, ouais, c'est bon. Voilà. Ouais. Il y a des trucs bleus là. C'est... Ah, incroyable, c'est bon. Ah, voilà, quelqu'un bon. M'a rendu une partie de mon argent. J'y crois pas, il dit même pas merci.
Mais bien sûr que non, je n'y vais pas rester, tu m'as volé, je devrais te remercier. J'ai rien volé du tout, j'ai mis ton argent en sécurité, c'est comme ça que tu me remercies. Ouais, ouais, putain, ouais. Investissement, maître véreux parmi nous. Wall Street, il disait ça aussi, quoi. Attends, je mets ton argent en sécurité, voilà, t'as revu la préserve vos argent. Intérêts. Ah. Non, 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 non. C'est bien mon argent encore. J'aime bien la panique. Voilà, mais j'ai trop de potions. Quelqu'un a besoin de potions là? C'est potion, ça là. Donne tout, donne tout, donne tout, donne tout. Je dépose mes potions par terre, moi. Putain, mais ils déposent comme ça, comme un sale là. Mais quoi, comme un sale par terre? Ok, faut descendre, viens, viens, ils ont engagé le combat, vite, faut y aller, ils vont mourir. Ça arrive. Ils vont mourir, ils vont mourir. Non, c'est... Ah non, c'est bon. Oh putain, le bordel. Un ado. Hop, c'est bon. Ah, mais vas-y, mais ça dégoûte par contre. Hein. Un charme! Mais putain, il a cliqué dessus déjà! Ah bah ouais, je me fais plus avoir. Putain, j'ai pas eu de charme. Bon, moi je bombarde, hein. Putain, y'avait de l'or par moi, le gameplay, après... c'est... moi le gameplay, c'est ça. C'est... Je suis un artiste de cirque. Hey! Un artiste de rue. C'est vraiment ça. Venez par là, venez par là. Donc là. Là, alors là, je vous explique. En rentrant dans cette salle, c'est un peu compliqué. Okay. Leroy, ils sont rentrés direct. Ah, putain, vraiment. Je savais que j'allais avoir du client là pour rentrer là-dedans. Donc là, il y a la comtesse et au milieu. Ah, ça va, on est 4, ça se passe bien. Ah, regarde la défense. La rude. La défense. C'est 14. Bon, j'ai tout, mais bon. Putain. Putain. Mon dieu, mon dieu. Ah. Loupé, loupé. C'est un gacha. Ah, c'est un coup, c'est un cliqueur en fait le jeu. C'est totalement un cliqueur. Ok, bon, pas mal. Donc, portail. Il y a un casque stylé là, si vous voulez. Ouais. Pourquoi on peut pas stack les potions? Ouais, c'est un concept. Quelqu'un a un parchemin d'identification ou pour tourner au portail? Moi j'en ai si tu veux. Venez à la ville, venez à la ville. Vous allez identifier gratos avec des cartes game. Ah ouais, j'avoue, j'avoue. Enfin, je fais plein de potions mineures là. Ah, je vais aller voir mon signe. Ah, j'ai même pas vu la vampire. Il faut beaucoup retourner en ville dans Diablo. Mineur. Putain, une rune pour 4 joueurs, c'est rude quand même. Hop là. C'est rude ça. Ah, t'as un truc qui... Ça donne plus 1 à bon. Le casque que je t'ai chopé. Yann! T'es où? Ouais, quoi? Je te file ça. Ah putain, Yass. On m'a dit, mets ton or dans ta mule, bien sûr. C'est un casque, mais tu me l'as chopé pour moi, ça, ou c'est pour toi? Non, c'est pour toi. C'est quoi, déjà? Mais le... Ah, d'accord, ok. Comment j'ouvre ma mule? Mais mon casque, il est un peu meilleur, j'ai l'impression. Ah, bon, ah, d'accord, ouais, ok. Non, mais vends-le, s'il est meilleur. Comment on ouvre sa mule là déjà? Il y a ce casque là si vous voulez, le casque. DG, regarde, suis-moi. Je l'ai pris. Suis-moi par là, c'est bien. Ici. Je peux pas là, le mettre. Dans le coffre ici là, réserve personnelle. Ouais. Et là tu peux déposer à gauche. À gauche dans le truc en bas. Yes. Là. Tu peux déposer de l'argent. Ah, je peux déposer. Enfin, tu peux faire dépôt en cliquant sur ton or à toi. Je vais déposer le peu qui me reste qu'on m'a pas volé. Il faut qu'on aille à la caserne du monastère de Tristram. Tout à fait. Est-ce que vous avez tous cette quête? Est-ce que quand vous faites Q, vous avez tous l'espèce d'oiseau de feu qui tient un bâton? Yes. Yann, pareil? Ouais. Ok, et ben go. Donc là, c'est portail... Quête terminée, moi, c'est marqué. Hein? Mais non. Non, t'as pas la quête outil du métier dans l'espèce d'oiseau de feu, là? J'ai un... Allez, je reviens. Non. Merci beaucoup, Moto Jambon, pour les 5 mois de soutien. Spiro Crocus pour le Prime. Xeno Chuludelu, merci pour les 4 mois de soutien. Mayday pour les 58 mois, quel plaisir de revoir du D2. Bah ouais, là en multi, ça va vite, hein. Ça va très vite. Merci à Astrosonge aussi, 19 mois. Dicaria pour les 10 mois. Groby pour les 40 mois. Licharion pour les 5 mois. Tu m'as totalement converti au JDR, c'est incroyable. Ah, nice. Il y a des vidéos qui vont arriver d'ailleurs bientôt d'initiation au JDR sur D&D. Ça fait partie du partenariat qu'on a signé avec D&D. Merci Cracule pour les 51 mois aussi entière de. Merci à toi, c'est gentil, merci beaucoup. The Goofball pour les 27 mois.
Dépose ton or. Ouais, je devrais, ouais. Ouais, j'avoue que je devrais, vous avez pas tort. Hop. On sait jamais, si je canne, au moins je serai plus sûr. Bah, oh, ça a bugué. C'est bon. Je sais pas du tout comment je build mon perso n'importe comment, bien évidemment. Comme ça qu'on fait. Ta 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 ta. Exactement. Alors, on a perdu Kian. Kian, c'est bon, ça suit derrière. Kian, il suit. Attends, moi, c'est lourd là, j'ai les armures. J'ai l'impression que c'est un peu lourd là. Ça la nouvelle armure, stuff. Elle est lourde, ça fait traîner des pattes. Ok, on va passer par là, tiens. Putain, t'avais un arc Alpha. Bleu, tu l'as abandonné. Alpha, t'es pas venu avec. Quoi? Non, non, mais je vous suivais, mais vous avez tourné. Ouais, j'ai tourné pour qu'ils puissent nous rejoindre. Comme ça, on peut farmer un temps. Putain, les flèches, ça casse les couilles, le truc là. Ouais, j'avoue, ça doit être chiant. Entre les flèches bien et les potions, tu vois. Vous oubliez que c'est casse-couille à ce trouve un item, t'es en entre mode. Entre les flèches allez. Et les potions, exactement. Fulminante, ça sert à quoi? C'est les deux, non? Potion fulminante, c'est une potion qui lance et ça explose. Mais pareil, tu vends. Après, avec des grosses potions, je peux faire des phases de DPS un peu, mais bon. On n'est pas là. Je suis tellement lent! C'est là où je suis, messieurs. Je suis lent. Les points en endu, ça affecte la vitesse de course ou un truc comme ça? Non, par contre, ça affecte à quel point. Ouais, voilà, ça affecte à quel point tu la perds. Mais mets pas d'endu. Toi, c'est tout en énergie. Pour augmenter l'endurance dans les compétences, c'est quoi l'endurance? En fait, l'endurance, c'est la vitesse de course. Enfin, pas la vitesse de course, mais tu sais, la capacité que t'as à perdre ta ouais, course ouais. Quand tu. Ta stamina, quoi, non? C'est ça, stamina. Exactement, mais c'est comment pas. Tu l'améliores? C'est lequel qui améliore vraiment? Ah, c'est vitalité. Le truc qui améliore le point de vie aussi. Ok, c'est vitalité, ok. Alors, moi, j'avais Canela quand j'avais essayé le jeu. Première mort ici. Ah oui, Canela, tu étais mort à cet endroit. J'avais Canela. Canela. Ici, émeraude. Ouais, bah ouais, le cloître, hein, classique, hein, le petit monastère. Hop, des tatanes dans les tonneaux là. Aïe, ah, j'ai mal. Hop, Ruby, c'est bon, moi. Hein. J'ai entendu Kian faire. Ouais, les cris de barbare. C'est bon, tu peux sauter, Kian là. T'as ton bon. Bah non. Mais si, il t'a filé un casque qui te filait un truc de bon. Tu sais non, comment hein, sauter quand même. Ouais, mais j'ai pas encore. C'est pas encore là dans les. Tu peux sauter. Mais à pieds joints là. Si le casque qui te file un truc bon, ça veut dire que tu dois l'avoir dans tes sorts. Même si t'as pas de points. Ah ouais, merde, je l'ai perdu. Je te jure, je l'ai pas. Ok, t'es tu vois le bon là? Peut-être qu'il faut que tu l'atteignes alors. Ah, attends, je vais l'essayer, t'as raison. Ah voilà, oh, mais oh, il est ridicule! Attends, saute là! Oh! Oh, c'est ridicule! Fais voir! Il fait. Je t'en wing! 1 cm de distance! Ah, mais je crois alors, que c'est. Alors, c'est quoi là? Y'a quoi là? Ici, y a un boss là? Pas tout de suite, là, il faut qu'on avance un petit peu, c'est un peu. Faut qu'on trouve un sous-sol. Mais on va pouvoir aller voir le forgeron, plein de filets, je n'y suis pas. Au secours, le level up au bon timing. Non. Putain! Il est où, je le trouve. Oh. Je préfère un petit cri, hein. Non, mais tu peux le mettre, hein. En fait, n'hésite pas à changer. Arrêtez de piquer les potions de mana, bordel le fion. Mais moi, on en a tous besoin, hein. On a tous besoin de mana ici, hein. Pas vrai. Mais pas le même monopole de mana. Imagine. Même les barbares ont besoin de mana. Ça, c'est la vraie arnaque. J'ai besoin de leurs muscles. Oh là, mais le DPS du JDG. Tu le vois quelque part, ça? Ouais. Bah, je le vois. C'est un peu Imba là. Vraiment, le gars, c'est 14 juillet à chaque fois qu'il joue. Ah non, mais ouais. C'est clair. Du coup, on voit plus rien en fait. C'est sûr. C'est bon d'abîmer. À moi, franchement, à moi. Touché au fond de moi. Ah, il est mort. Tentoul. Il est mort à mort. Ceinture! Putain, j'ai pas eu le temps de la Sentoul! À moi! J'ai pas eu! Elle est très belle cette ceinture, dis donc! Quelqu'un a un truc d'identification? Oui, donne la ceinture! S'il te plaît! Ah bah viens, voilà, je vais donner la ceinture! Je sais pas si tu vas la retrouver ta mais ceinture! Mais putain, pourquoi je peux pas la prendre? Ah! Tiens, je te dis, comme la robe maintenant, ma ceinture, s'il te plaît! Allez, JDG! Attends, je regarde ce qu'il faut! Alors, c'est pas très intéressant, je vais la garder! Hein. Non, ah bah d'accord, non, je te la rends! J'ai pas assez de force, viens, reviens! Il faut de la force! C'est où? Parce que putain, il fait exprès de me laisser crever, je suis sûr. Là, elle est à mes pieds, j'ai là. J'ai 499 pièces tombées au sol.
Si j'en retrouve pas exactement le même montant. Non, par contre, t'as fumé, il y avait 40 gold, hein. Non, non, j'ai un screen, j'ai presque j'ai scanné. Y'a plus rien à côté du corps de Fred. T'inquiète pas, l'argent est en sécurité. 499 fois, je ne ferai pas un pas de plus. L'argent est en sécurité. Ah, je vais mourir. Ah mais merde, t'es pas par là. C'est où que je vais aller? Ah, allez mourir. Ah non, moi je peux pas mourir, j'ai trop d'argent. Crevez, allez-y, crevez. Ah non, moi je peux pas mourir, c'est très important. Vas-y, je le tiens à distance, vas-y. C'est bon, parfait, ouais, parfait ça. T'es mal à la taille du Zera. T'es mal à la taille du Zera. Putain. Par contre, j'avoue que tu sais, je suis arrivé devant le cadavre de Fred, je me suis dit, tu sais, j'appuie sur Alt, je vois genre rien d'écrit. Genre, je vois rien du tout. Il a été dépouillé entièrement. Vous êtes des cyberchiens, hein, franchement. Attends, bon. Mais il y a des golds. Les gars, venez où je suis, il y a un truc là. Ah ouais? Il y a une porte quoi. Il va nous dire, je suis en équipe de 1 là. C'était juste une porte. Le groupe. Il a trouvé une porte. C'est pas par là. On sait pas si c'est par là en fait. C'est peut-être par là. Non, mais il y a plein de monde là. T'as vu que je t'ai rendu avec les enterrés? Ah, Festin, j'ai trouvé. Ouais, ça va, ça va. Ça va. En fait, tu m'as rendu une partie de ce que tu m'as volé, quoi. T'es pire que les Français. Arrête un peu. Ça va. Putain, en mode, je suis sympa quand même, je t'en rends. Il est là, tuez-le! Laissez JDG y aller deux secondes pour voir. Ouais. Il est violent, lui. Ah! Ok. Ah, c'est bien le gameplay, c'est bon hein. Ah, y'a un item de quête qui va dropper, ne vous affolez pas. Ah non, c'était un loot pour moi en fait. Pour moi, il a dit non. Non, mais tiens, j'en veux pas en vrai. Non, c'est pour le barbare ça. C'est pour le barbare, ouais. Barbare, viens là. Viens. C'est quoi? T'as pas assez de place, c'est une cote de maille. Attends, je te l'identifie parce que je suis un gars trop sympa. Voilà. Voilà. C'est ça. Et là, y'a le marteau de la quête, ce que je vous disais. Ici. Oui. Hop. J'ai pris. Bien sûr. Voilà, vous avez vu le petit rigueur de la quête. Là, il faut retourner à la ville pour lui y rendre. Et en même temps, il faut identifier vos objets à des cartes Kane, comme d'hab. Putain, j'ai cru qu'il dit. À chaque fois, j'ai l'impression que tu dis Décathlon. Des cartes Kane. Faut identifier vos objets à Décathlon. Un peu l'équivalent d'époque en même temps. Hein. C'est quelle raquette ça? Identifier vos objets à Décathlon. Bien sûr. Réparer vos objets à Charcy. Recruter votre mercenaire s'il est mort. Beaucoup de trucs à faire. Hein. Ça me fait penser qu'il faut que j'ai corné ma raquette là. Autrefois. Ça y est, c'est professionnel. Non, c'est juste qu'elle a plus de cordes. Elle a arrêté des balles un peu violentes, c'est ça? Ouais, j'ai bourlingué. Au cours. Ouais, bref. Ah, quand t'es allé au cours là. Ouais, au cours. On est bon? Tu sais comment on peut mettre de manière automatique les fioles dans le slot en bas là? Tu peux on ou pas? Je peux pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est majuscule, clic gauche, et elles vont se mettre dans ta ceinture. Ah, c'est ça que je voulais, ouais. Majuscule, okay, clic gauche. C'est bon. Voilà. Okay, top. Ah putain, il faut que je file un arc à mon mercenaire, il a poil, que je file rien. Il est tout nu. Ah, c'est pas grave. Ça, moi aussi, ah, il a rien du tout. Ah, mon c'est vraiment, c'est Jacouille les fripouilles. Ah, on peut l'abîmer? On peut l'habiller, pardon? Si t'appuies sur l'abîmer, oula. Le barbare. On peut l'abîmer. Bah ouais, mais moi je connais. Elle est bien mignonne. Putain, mais elle est. L'abîmer ou pas? Putain, au secours. Reprenez mon TP. Ouais. Reprenez mon TP là. Tout le monde. Est-ce qu'il y a Kian qui pollue Kian. Lequel? Bah, c'est, oui, c'est bon. Celui où quand tu m'as au sauveur, il y a écrit ouais, c'est bon. Zera Amazon Prime. Ah, j'ai pas vendu les potions, je les ai bues. Ah merde. Tu les as bues? Qu'est-ce que t'as dit? Tu sais, je me suis mis devant le vendeur, j'étais en mode. Ah oui, au lieu de les vendre, tu les as tous bues. Le vendeur est en mode, mais il est complètement con celui-là. Vous voulez pas que je vous achète une quand même? Je peux vous les acheter, vous savez, des belles potions comme ça? Non. Je préfère tout boire. Regarde toutes ces belles potions que j'ai là, tu les auras jamais. Vous voyez ces potions là, regardez comment je les bois devant vous. Attends, faut que derrière la Kugari. C'est un mot de pareil, c'est mauvais pour la santé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire, vraiment. Tu vois, en regardant de manière intense le vendeur. Mes potions. Les petits amis! Ouais. Ouais. Ça serait dommage que tu crèves. Non, mais je vais pas crever, t'inquiète pas. Putain, on peut bodyblock, je viens de réaliser, on peut bodyblock, les amis. Tout à fait, on peut bodyblock. C'est la fin de la game de Fred. C'est la fin de la game. Je vais juste me mettre derrière lui dans les encadrements de porte.
Méchant, méchant. Attends, tu peux passer là si je me mets là? Ah, attends. Tu peux passer là? Si, si, on peut passer, on peut passer. Ah, dommage, dommage. Je pense qu'ils ont prévu. Non, mais tu peux bloquer, je crois. Enfin, ils ont prévu les connards comme toi. Pourtant, à l'époque. Les mobs te bloquent, c'est sûr. Après, les joueurs, je sais pas. Peut-être pas les joueurs, ouais. Ah, mais les flèches que vous envoyez là avec les électricités, c'est. Enfin, c'est... Ah, bah, c'est il arrive, tout le monde, est toujours mort. Il est mort. C'est bon. C'est par où? Par là. Par là. Attendez, il y a une bibliothèque là. Oh écoute, okay, mais qu'est-ce qu'il nous dit le barbare? C'est pas le moment de lire, okay, c'est même pas lire. J'aime bien, il y a des images dans les livres. Ah, putain. La prison. C'est là? Ouais, c'est là, je vous attends. Kian, on a perdu Kian. J'arrive, il est en train de lire des livres. Tu sais pas lire, Kian, reviens. Bah, attends, j'aime bien les images. T'es déjà dit que tu savais pas lire. Je suis la lumière. Non, par là, ici. Oh, je suis trop con, j'ai pas fait la quête de. C'est vrai, en vrai, je comprends un peu pourquoi c'est addictif, parce que c'est vrai que c'est. Tu vois, c'est addictif. Tu cliques partout, tu réfléchis pas trop. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, après, il faut quand même faire gaffe de temps en temps, tu vois, parce qu'on meurt vite. En fait, si tu fais pas gaffe, tu meurs très vite. Mais ça dépend de ta classe, mais je suppose que c'est plus facile d'être au milieu de la mêlée avec des classes de cac ou quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais même quand t'as plus de sorts, après t'as des sorts pour. Toi, t'as des sorts pour escape en sorcière et tout. Enfin, c'est. Tu viens, Alpha? Ouais, non, je finissais la quête de Charcy en fait. J'avais pas fait. Ah oui, d'ensorceler un objet. Bon, t'es pas obligé de le faire, hein. Ouais, ok, bon, je l'ai fait. Done. Job done. Job done. Mobs, ah, c'est quoi ces bruits là? Ils font des bruits dégueux. Ok, je suis là. Oh putain, ils font mal. Je vois que c'est Tomorrowland à l'intérieur. On est niveau combien là? Faut que je regarde. 12, 13, 12. Ah, je pense qu'on va rusher. On va rusher la fin de l'acte 1. Comme ça, on voit la fin de l'acte. C'est pas par là. Bon, messieurs. Une belle prison. Je pense qu'on va accélérer un peu le pas là. Ça veut dire. Allez, on accélérera pas déjà là. Non, mais ça veut dire ne pas tuer peut-être tous les mobs des salles, tu vois. Ok, ok. On va faire des pauses quand nécessaire. Voilà, il y a la besoin. Ah oh, putain, j'ai droppé un tome d'identification carrément. Ouais, en fait, tu peux stocker des parchemins d'identification dedans, jusqu'à 20. Bah ouais, c'est ce que j'ai acheté, mais je savais pas qu'on pouvait enlever. Je m'attendais à des vagues de mobs parce qu'on est 4 aussi, donc c'est plus facile. Ouais, le jeu est beaucoup plus facile en gros. Après oui, bon, ça, c'est clair. Honnêtement le début du jeu est très très simple hein, parce que tu sais en fait tu finis le jeu normalement. Après t'as le New Game Plus, donc c'est le difficulté cauchemar. Et après t'as le New Game Plus encore, difficulté enfer. Et en fait ouais. Bah il y a beaucoup de gens qui disent que le jeu commence en difficulté enfer, tu vois, dans Diablo. D'accord. Parce que c'est vrai que les deux premiers niveaux de difficulté c'est un peu le warm-up quoi. Puriste. Non c'est pas forcément puriste, c'est qu'en fait au début t'as même pas tous tes sorts et tout. Et en fait quand t'arrives en enfer t'es à peu près niveau... Ouais, on va dire 40, 45. Sachant qu'au niveau maximum c'est 99. Bah, en fait, t'as pas mal de têtes qui sont débloquées. Tu commences à avoir un vrai build, un vrai stuff et c'est pas mal. Alors que quand tu finis le mode normal, tu peux finir niveau 30, 35. Et donc en fait, bah, t'as même pas que niveau la 30 moitié de tes sorts. Non, ouais, c'est assez court. Hein. D'accord. Parce que, non, je dis ça, mais c'est quand même. Et je pense que la difficulté, enfin le pexing, il est pas linéaire, quoi. Je veux dire, c'est niveau 29-30, ça doit prendre autant de temps que genre le niveau 1 à 15, quoi. Ouais, mais alors par contre, tu finiras pas le jeu en étant niveau 99. En fait, quand tu finis le jeu tout seul, tu vas le finir niveau peut-être 65-70. Et en fait, ouais. Si tu veux monter niveau 99, c'est ultra long. C'est vraiment. Ouais, le farm est. Ouais. C'est ultra, enfin c'est pas exponentiel, c'est pas jusque là, mais il y a très peu de gens qui sont arrivés niveau 99 à Diablo, parce qu'en plus c'est pas très utile. C'est pas là où il y avait le... Ah non, c'est pas là où il y avait le boucher là. Kian il est en full smurfing là, il est en train de chercher là, je le vois. C'est notre petit rat là, on l'a lâché dans la prison. C'est mal la taille du Kian. C'est mal la taille du Kian. Parchemin d'identification, tête de loup les gars. Tête de loup, bah y'a pas de druide hein, c'est pour druide, tête de loup. Putain, j'ai encore désactivé cette map. Mais du coup, il y a gauche, pas de. Hein, regarde, le truc rose est à gauche. Hein. Du coup, en fait, il y a pas de warrior. Faut aller à gauche, les gars, faut aller à gauche. Il y a pas de warrior, effectivement. Ouais, il y a barbare, paladin, mais pas warrior. Ça, c'est marrant ça. Bah, barbare, c'est warrior. Hein. Ah ouais, parce que tu peux mettre des armures et tout. Ouais, totalement. C'est totalement warrior le barbare. Ok. Putain, un jour, on va voir un mob qui nous reflect les spells. Fred, bonne nuit. Non,
elle veut juste me tuer. Pas de reflect, mais par contre, il y a insensible. Donc, tu peux avoir un mob insensible à la foudre, par exemple. Ok, ok. Ah, le reflect, bon, ce serait terrible. C'est là, je trouvais. Ok, venez là, week-end. Vers le cloître intérieur. Là-haut, là. Cloître. On va se finir en Pikachu attaqué clair. Alors, attends, on est sortis, les gars, là. Non ? Ouais, c'est normal. T'inquiète, c'est normal. Là, on va avoir un portail normalement. Ça y est, le cloître intérieur. Et il a cliqué. Là, vous pouvez faire une petite pause au camp si vous voulez. Et après, on va aller rusher la fin. C'est ici la fin de la fin d'acte ? Non, c'est en fait c'est dans cette zone là. Mais là, tu peux retourner à la ville si t'as des trucs à vendre. Et après, on va finir le. Allez. On va finir l'acte. On va courir un peu. Qui vendent des trucs genre un peu cool au camp là ? Ils vendent des trucs un peu des haches de ouf et tout ? Bah, faut que tu regardes, hein. Faut que t'ailles voir les marchands et tout, tu vois. Alors, attends. C'est marrant, marchand, c'est lequel, le camp des rogues. Là-haut. Même en français, c'est... Ce qui t'intéresse, toi, c'est lui. Le camp des rogues. Commencer, réparer... Attends, y a que réparer ou comment commercer? Mais c'est en haut, là où tu vois armure, armes, tu vois, dans les onglets, ouais, là. Ouais. Ah ouais, après, bon, là, on est en fin d'acte, donc ça va pas être dingue, je pense. Ça va pas être dingue, les objets. En vrai, moi, j'ai rien à acheter, hein. Ça a rien. Ouais, normalement, il y aura pas des dingueries à acheter, ou alors ce sera très cher pour pas grand-chose. Bon, bah, messieurs, go, hein. Je propose qu'on aille au... Let's go. Je vous attends au TP. Can, tu viens ou t'as des trucs à acheter? J'arrive tout de suite, les gars. Le cloître intérieur, hein. Ouais, cloître intérieur. Ok. Et de toute façon, on peut prendre un peu d'avance, hein, Ken nous rejoindra. Allez. Putain, le charme. Okay. Hop là. Grâce débutant. Je cracherai pas sur un peu un bon bâton là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas changé de. Oula. Oula. Cathédrale. Oula. Oh putain, le bestigore. Enfin, je veux dire. Monstre. Oula, l'aide. Les dégâts que je prends. Ouais, pareil. Oula. J'ai pris la sauce. Putain, t'es mort ? Pas mort, je suis évidemment pas mort. Ah, ça se moque du barbare, mais ça décale, hein. Il y en a bien un pour colmater, c'est lui, hein. Ah bah justement, c'est pour ça qu'on a du mal, hein. On n'a pas notre tank de service, là. Sors l'écorcheur. J'ai 3 mobs mains, là. Ah d'accord. Voilà, fallait mettre des coups. C'est sûrement de la merde, non ? C'est de la merde. Ok, donc là ça va être à droite. Ça c'est une zone. Et il reste tout le monde, lui. Yep. Une zone pas procédurale. Une des rares zones pas procédurales du jeu. Et c'est là. Les zones de boss en général, c'est en procédural, non ? Ouais, mais là c'est pas boss, c'est juste avant d'entrer dans les catacombes qui elles le sont. Mais comme ça c'est une cathédrale. Je sais pas, ils avaient peut-être la flemme de modéliser tous les côtés des textures, donc ils ont fait qu'un côté et ils ont. C'est là, Alpha, là où je suis. Ouais. Moi je suis l'assassin au mauvais sens de l'orientation. Ah après, mais sa mère. 795. 700. 795. Exactement. 795. Attends, je suis en train de fumer tous là. Drôle de manière de dire 795, mais ok. J'ai screenshot. Voilà, Ken, on est en train de mourir, je te le dis. Hein. Ah, vous êtes où, les gars? Moi je suis en train de. Vous êtes je suis au sous-sol. Je vais montrer les catacombes, j'y suis allé. Ouais, on a vu que t'étais au sous-sol. Hein. C'est la cave de la tour, le TP que je dois prendre? Non, tu reprends le cloître. On est juste à côté du cloître en fait. Voilà. D'accord, les gars, fallait me dire, moi tu m'as dit de descendre. Ouais, non, mais je les attendais. Oh putain. Il s'est arrivé. J'ai un HP. Oh putain. Où est mon corps? Oh, je vais mourir. Alpha va me tuer. Non, c'est bon. Comment ça, Alpha va me tuer? En fait, tu m'as amené tes merdes là. Ah oui, mais ça, c'est vrai ça. Je n'ai pas mon argent. Je ne vois pas mon argent. Ouais, t'inquiète, il est en sécurité. Il est en sécurité. Je ne vois pas mon argent. Le banquier suisse l'a récupéré, t'inquiète. Attends, laisse-moi. Je ne taperai plus tant que je peux t'inquiéter mon argent. Une seconde, je suis gardien de la paix, une seconde. Conscient de la tâche qui le décombe. Exactement. Alors, il est où? Alors, nous disions combien, monsieur? 800 895. Non, 795. Ouais, je crois que c'était 795, hein. Ouais. Je mets les intérêts. Ouais, putain. Excellente affaire, maître Véro. Tu m'as volé beaucoup plus que ça, j'en suis sûr. Mais non.
Moi, je non, 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 il y avait 795 par terre. Je l'ai vu aussi. J'étais à côté de lui, j'ai voulu cliquer. Ouais. Bon, allez, ah, putain, yes, j'ai un neveu. Ça va être. Oh la vache. Bon, du coup, sur les bénéfices, on fait 50%, c'est vrai. Mais pourquoi vous êtes restés là, les gars? Juste pour savoir, pourquoi vous êtes restés là? En fait, non, mais c'est juste qu'on. Je les attendais. J'attendais qu'ils arrivent tous. Okay. Allez, on descend. Ah, Pépita. C'est où, Spara? Ok. Mais j'ai déjà buté 2-3 personnes en bas. Hein. Ouais, tranquille. Hein. Bah, tu nous guides. Bah, venez alors. On va te suivre. Hein. Parti. Suivez l'homme avec sa grande. Oh putain, la bardiche. Grande vouge. C'est une vouge, je crois, non? Ah, c'est une vouge, ça. Ça ressemble à une bardiche. En tout cas, dans. Saphir, à moi. Dans un autre jeu, c'est une bardiche. Ah là, c'est dur, là, c'est dur, les gars. Oula, oula, oula. Ah oui, le Nova Ronald, Leclerc. Ronald. Par contre, moi, j'ai plus de potions, hein. Ça, c'est aggro tellement. J'ai plus de potions, là, je vais mourir. Mais non. Sache que tu peux en acheter. Quand tout si dramatique. Tout de suite, des grands mots, je vais mourir. C'est qui vend les potions? C'est qui? En fait, c'est chiant les pièges à gargouille. C'est Akara Kiki. Akara Kiki vend les potions. Putain, c'était quoi ce bruit? Ouais, c'est les petits mobs là au sol. Les hommes rats. Ah, c'est. Putain, Skeven! T'es mal à taille de l'homme rat. Enfin, je veux dire des hommes rats, pas des Skeven. Pas la même licence. Kevin. Voilà. Je sors. Oh, MG, OMG. Oh là, oula. Oh, c'est dur là. On a besoin de toi, Kian. J'arrive, les gars, je suis en train d'acheter une potion là. Non, mais là, tu vas venir là, je pense. Ouais. J'arrive. Genre vite. Je pense que tu vas. Oula. On a besoin de notre tonk. Tu vas prendre mon TP, je pense là, Kian. Ok, je vais, j'arrive. Ils sont tellement forts. Ok, ça va, moins pire que ce que je croyais. Arc long. En fait, je joue pas assassin, je joue grenadier. Grenadier. C'est pas pareil. Une nouvelle classe. Je joue alchimiste. Venez, on accélère. Allez, venez, messieurs. Pas besoin de tuer les mobs là. Suivez-moi sur la map. C'est parti, j'arrive. Devant la porte. Si vous voyez des mobs, on s'en fout. Par là? C'est ici, c'est là où je suis. Non, c'est pas par là. Là où je suis sur la map. On s'est trompé de porte. Avec Fred. On est dans la merde avec Fred, à l'aide. Mais non, vous êtes pas dans la merde. Passez sur les trucs jaunes, c'est les portes sur la minimap. Cours. Ah ouais? Ok. On arrive. Non, on va. Ok, c'est pas par là. Les trucs jaunes sur la minimap. Ouais, les trucs jaunes, ouais. Les trucs jaunes sur la minimap, il y a partout les trucs jaunes sur la minimap. Il y a un million de trucs jaunes. Bande d'anus. On arrive. Mais moi je suis alpha, moi. Mais putain, mais il y a un truc jaune et on peut pas le moindre aussi là. Ils sont complètement cons, mais revenez ici, par là. Ah, putain, mais vous êtes retournés dans la même salle. Ah oui, mais nous on a paniqué. Bah, vous avez surtout la minimap sur le côté, ouais. Mais ouais, mais elle est pas, elle est pas claire. Bah ouais, elle est pas claire, ouais. C'est à l'ancienne. Non, justement. À l'ancienne, c'est sur la gueule. Ok. Allez, venez par là. C'est bon, on a trouvé. Pas grâce à Zera. Hein. Les abrutis. Voilà les identifications. Allez. Allez, bonne chance. Allez, faites-vous les mobs là. Moi, je vais chercher. Ah, ça y est. Comment ça, araignée? Oh là, putain, les gars, c'est. Okay. Ouais, je suis tombé sur un. Arrac. Tu trouves la sortie? Il y a des araignées. Ouais. J'aime bien. Les... un petit peu lent le barbare. Quand je galère. Les araignées. Saloperie. Oh bordel. Oh putain, mais il y a tellement de petites merdes là. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, il y a plein de mobs. Est-ce que je vais crever? Non. Oh vite, surgissez tous. Sécurisez l'argent. Avant toute chose, sécuriser l'argent. Il y a un PIB à récupérer là. Ah, venez, rentrez là-dedans là. Ah. Tiens. Vous avez des ralentissements aussi ou pas? Non, ça va. Non. Ok, c'est bon. Juste par contre, j'ai une consommation de potions à la mana, je suis un vieux diesel comme un bagnole. Ouais, normal hein, en vrai. Putain, mais c'est juste par là, mais comment on va? Ah bah voilà, bravo. Eh hey, par là, gna gna gna. Ah non, mais moi j'en sais rien. Non, c'est en bas, les gars, c'est en bas. Venez, c'est en bas, je sais, moi je sais par là, regardez, venez. Hop là. Par là, c'est par là. Un mensonge ça, on connaît. Non, je te jure, regarde, c'est là-bas, regarde. Comment ça le barbare, il sait par où? Comment ça le barbare, il a une idée là? C'est un mensonge, c'est un mensonge. C'est que ces conneries, le barbare. C'est là où je suis, c'est là où je suis. Le barbare a une idée. Par là? Non, c'est pas par là, non, c'est pas par là. Allez,
si, si, c'était là, c'est là où il canne, là où il canne, venez. Eh les gars, faut mais, que mais vous putain, mais comment on... Mais ouais, mais c'est... Y a des ouvertures, il y en a pas. Il y a des murs qui empêchent de passer. Sans deck, il y a des murs. Venez là où on est, putain. Mais ouais, mais on arrive. Attends, ouais, on est là, mais ça fait peur. C'est dommage que vous voyez. Saloperie, c'est dégueulasse. C'est dommage qu'il vous arrive quelque chose. Ah, c'est ça, c'est l'alignation de la hache là, c'est ça que tu es. Ok, Mal. Mais non, pas allez, vas-y, combat-toi là. I need healing. Descendez, on descend. Oh, Kian, tu montes là, L'autre descend. Ah oui, pardon, je comprends toujours les autres. L'autre sud. Il va hyperventiler. Mais comment vous traversez le feu? Putain, on peut traverser le feu! Oui, on peut faire traverser le feu. Ah bah il m'a fait c'est pas revenir. Mais c'est pas RP du tout. Ouais, c'est pas roleplay. C'est HRP de fou. Bah tu sais, dans la vie, tu peux traverser une flamme si tu comprends. Ça a brisé mon immersion. Ouais, mais tu cannes, enfin genre... Non, dans la vraie vie, tu peux courir dans un feu. Bien sûr. Bah, la démonstration tout de suite. Ouais, s'il te plaît. Non, mais sur, au-dessus d'une flamme, tu peux courir. Non, mais la manière dont le feu était fait, ça faisait vraiment genre... Vous ne pouvez pas passer par là. Game design. Ce n'est pas possible par là. T'as jamais sauté par-dessus un feu en faisant griller des chamallows après, putain. Si. Putain, ce week-end même. Je vais mourir. C'est vrai, c'est où? T'es où? J'ai vu en direct. Salut les gars, que vous faites là? Tistran le sombre, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Mais mais ça me casse les... Hein? Ouais. Les roustons. Les roustons. Pas par là. Les roubignoles. Pas par là. Oui je sais, j'arrive. C'est pas par là. Kian, remonte Kian. Oh là, y'a un truc qui crache du feu là, c'est là, ça doit être là. Ouais, non, c'est pas là. Je te jure, j'ai trouvé un spot là. Y'a un magicien et tout là, regarde. Ouais, mais c'est pas là. Tu sais, y'a un magicien de ouf là, regarde, il est là lui. Le banni. Je te jure, je te suis comme ton ombre, à l'instant où tu meurs, je serai comme le fisc, quoi. Bah alors, putain, tout cet argent, il... Il va jamais autant couler. Tout cet argent, il sert plus à rien. Oh mais là, attendez, mais là, le temps que Kian arrive, on peut se faire un café, hein. Voilà, vas-y, on va farmer des trucs. Je vous jure, les gars, je vous jure, j'ai trouvé une salle. Non mais oui, il y a une salle. Ah oui, il y a une salle avec des coffres, mais c'était pas par là. Vas-y, viens, on va tuer en arrière. Voilà, il y a un... Le banni. C'est qui celui-là? Mais c'est lui, j'en ai tué un autre déjà, le banni. J'en ai tué un. En bas, il est en bas à droite. Et là, donc c'est le dernier étage. Donc là, ça va être l'étage. Oh putain, il est là! Il est là, Kian. Il est là. Ça va être l'étage du boss, mesdames et messieurs. C'est quoi ce truc qui brûle au-dessus de ta tête? Donc là, je vais déjà faire un petit TP ici quand même. Okay. Donc ça se compose en trois salles. Il y a d'abord celle-là. Ensuite celle-ci qu'on va nettoyer. Et ensuite la troisième salle, ce sera celle du boss. Là d'abord on nettoie celle-là tranquillement, on peut tuer tout là. N'avancez pas trop, n'ouvrez pas les portes. Faites pas les cons. C'est le moment de Leroy là. Après vous pouvez. Hein, moment de Leroy hein, Kian. Ça fait vraiment mal. Lire. Bon vous savez quoi, je vais chercher le boss. Ah ouais. Allez. Vas-y. Vous vous débrouillerez. Vous allez repérer très vite qui c'est, je pense. De Kerrigan là. Ouais exactement. Ah. En fait ils avaient pas d'idée les gars. Ils avaient pas d'idée. Non, le plagiat. Plagiat sur Blizzard. Ils sont auto-plagiés. Kian est cané. Ouais, bon grenade. Ah les gars faut clean la salle hein. Faut tuer les chats, ils sont en train de raise à la chaîne des petits là. Ouais ah, bien alpha c'est bien, bon focus. Grenade. Ok très bien. Donc on a Kian qui est mort, ouais, ok. Bon, ah, Kian est mort. Oh merde. L'argent. Voilà, c'est quoi ce bruit? Ah putain, mais oui, mais c'est 100% Kerrigan à l'aide. Mais pas vraiment. Andariel. Andariel. Voilà, elle fait peur quand même. Hein. Ouais, elle alors fait... faut pas te prendre un coup. Hein. Attention, elle empoisonne. Ah ouais. Wow. Allez, on attaque, on a pas peur. Allez, on a pas peur. Mais bah, pourquoi elle m'en veut à moi là? Je fais pas de dégâts là. Je fais trop de dégâts, mec. Allez, on tape. On a pas peur. C'est Kerrigan, les gars. Désolé, mais. Allez, mec, c'est le boss de l'acte 1, les gars. Grenade. Au secours. Je suis mort. L'empoisonne. Ok, les golds de Kian, je m'en charge. Ah. Franchement, je les golds de Kian. Les golds de Kian sont. Mais comment? C'est bon, c'est sécure, c'est sécure. Merde. Il faut que tu prennes de l'antidote. Si t'en as pas, tant pis. Alors là t'étais empoisonné donc t'étais à 1 HP puis t'as marché dans une flamme qui t'a tué. Il a pris la thune instantanément. Ah, ça fait un peu de dégâts quoi. T'inquiète pas, ton argent est sécurisé, JDG. En plus je faisais exprès de pas te taper pour attendre que toi tu meurs quoi. Ah t'inquiète pas, je veux pas mourir. Hein. J'ai 1766 pièces d'or. Oh, je ne mourrai que quand je serai seul dans une pièce.
C'est les catacombes niveau 4, hein, oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Oh, ok, on a pas eu le temps de poser. Quelle potion, c'est la mort. Yit, yit. Elle va mourir! Grenade! Ah, il y a des feux, faites gaffe! Bravo à tous! Oula, oula! Oh, c'est la merde là, on va mourir là! Non, il loot, il s'en bat les couilles! Ce feu fait pas de dégâts! Ah, d'accord, très bien! Ah, d'accord! Ah, il faut connaître! Bah, bien joué! Regarde, JDG, regarde, je te donne un bâton de fou! Tu vas me rendre mon argent aussi? Juste là! Eh, c'est vrai que j'ai plus d'oseille, les gars, j'avais 1300 là. Voici ton argent. Mais si, si, t'as de l'argent. Voilà. Ah. Ça va. Ton argent est plus si affinité. Il m'a rendu mes cotisations sociales en fin d'année, c'est la retraite. C'est le paiement de la SACD. C'est ça. Je suis trop chargé. Normalement, le bâton est pas mal. Bâton, je ouais, le bâton est pas mal. Ça faisait peur un peu là. Bon, on me dit que JDG est à 9 morts et Kian a 3. C'est ça le compteur apparemment. Oui, mais moi je suis une sorcière. Normal. 9 morts c'est beaucoup quand même. Hein. Bah, je suis une sorcière, je suis un tissu, c'est normal que je meure. Ouais, c'est vrai. Non, je peux rester dehors. Avec tout le dégât que tu nous as fait. T'es un tissu à distance, pas censé mourir. Tissu à distance. Tiens, JDG, regarde, regarde. Attends. Viens là. Ah, qui vous fait du commerce? Ah, c'est Pépita, parfait. Regarde, on va faire ça. Voilà, prends ça. C'est quoi ça? Ah, Vince Miguel. Maintenant qu'on a terminé, tu clique sur le V. Écoute, ça marche pas. Il y avait vraiment 1300 balles, hein. Je les ai plus. Hein. Moi j'ai une armure de cuir bouilli, voilà. C'est ce que j'ai ramassé. C'est JDG qui a tous les golds avec lui pour les négociations. Tiens, Kian, pour toi. Ouais. Par terre, là je t'ai mis une armure. Merci. J'en ai, c'est gentil ça. Ah ouais, elle était sur ce trône du coup. T'es un dealer d'armure. Écoute, j'ai des contacts. Là, je me suis trompé, je te l'ai pris, je te la rends. J'ai vu son. Il y a son trône en fait, on n'a pas du tout fight le boss là où elle était, quoi, c'est ça? Oui, non, mais en fait, elle bouge direct. Sarah, il arrivait, il a fait. Hé, hey, toi là, viens. C'était vraiment. Fait, elle est même pas assise dessus de base, c'est. Ouais, elle est devant quoi. Combien je peux la vendre l'armure? Oh, j'ai pas. 4000 gold, vas-y, je la vends. Je la vends. Bon, bah voilà, messieurs, c'était l'acte. Je crois qu'on a pu finir l'acte 1. Oui. Très très marrant, les gars. Il y a combien d'actes en tout? Il y a 5 actes. Et après, New Game Plus, deux fois. Donc en fait, il y a 15 actes, entre guillemets. Et l'acte en fait, 2, c'est 5 on peut... plus 5 plus 5. On peut voir à quoi ressemble la tronche de l'acte 2. Tout à fait, 2, tu peux aller voir l'acte 2. Il faut que tu parles à Wariv, qui est le mec à la caravane juste là. Et tout se passe dans à peu près le même décor à chaque fois ou pas? Alors justement, clique sur Wariv, le mec en bleu là, juste allez vers l'est. Lui dis, allez vers l'est. Ouais, là, tu peux te zapper la cinématique tranquillement, hein, voilà. Ah, il y a une cinématique. Oh, mais je vais pas la zapper, moi, je vais regarder. Non, je vais regarder, pareil. Tu peux la regarder, Et après, tu verras le nouveau décor. Je ferai ça pour la fin. Mais du coup, ça sert à quoi les trucs abîmés? Oh, le là, gars, les... j'ai pas tout compris, on a cassé la gueule à des monstres. Les améthystes, rubis et tout, ça sert à quoi? Ça sert à. C'est pour mettre dans les chasses. Les chasses? Ouais, genre, les chasses quoi? Bah, c'est. En fait, il y a des items qui sont certissables. Genre, des fois, t'as une chasse, deux chasses, ça peut aller jusqu'à 6 chasses. Et tu peux mettre des rubis, des gemmes, des crânes dedans. J'en connais, c'est Dune ça. Exactement. Les chasses. Les chasses. Ok. Et voilà. Et en gros, après, t'as un item qui te permet de combiner 3 petites pour faire une moyenne, 3 moyennes pour faire une grande, 3 grandes pour faire une géante, etc., etc. Et un crâne abîmé, peut-être enchâssé dans les objets abîmé, avec chasse. C'est comme une gemme, quoi. D'accord. La gemme blanche du jeu, quoi. Enfin, non, parce qu'il y a aussi une gemme blanche, mais. Je ne peux rien porter de plus. Bah voilà. Moi, JDG, regarde la cinématique. Ouais, je regarde la cinématique, pardon. Ouais, je regarde après. La cité de Ludgolen. Ouais, Ludgolen. Le désert. Et donc, chaque niveau, c'est différent. Genre, il va y avoir le désert, et puis après, il y a quoi? Ouais, après, il y a les marais. Les marais. Après, il y a les enfers, et après, il y a la station de ski. Enfin, t'es à la montagne, quoi. T'es à la neige. Station de ski. Après, il y a Vars. C'est classe de neige à la fin. Ouais, c'est en classe, la cinématique, quand même. C'est nice par rapport à Diablo 1, où c'était vraiment full catacombe jusqu'au bout. Ouais. Diablo 1, c'est mono. J'aimerais tellement qu'ils fassent la même chose avec genre Warcraft 1 et 2, quoi. Des bonnes cinématiques refaites comme ça, là. Putain, j'aimerais tellement qu'ils refassent Warcraft. Ils l'ont fait pour Starcraft. Starcraft a été remastered. Ouais. Starcraft, c'est vrai. Il est bien, d'ailleurs. Starcraft Brood War a été remaster, ouais. Ouais, putain. Pour moi, c'est culte, c'est vraiment.
Oh, c'est chambé quoi. Je sais pas, vous êtes. Je crois que Zerator, toi tu joues à StarCraft, c'est sûr. Ah oui, moi j'ai, bah, j'ai fait. Bon, moi j'ai beaucoup joué StarCraft 2. Bah, nous on a beaucoup joué avec Moment au remaster de Brood War, tu sais. Ouais. Quand c'est sorti, on a joué avec Moment, on a fait quelques games sur le net et c'était incroyable. Hein. Oh, mais ça faisait bizarre d'un côté. Tu te dis putain, la vache, tout le chemin qu'on a parcouru. Avec les dragons. Ouais. Pardon, excusez-moi, pardon. Le pathfinding des dragons. Toutes ces mécaniques de gameplay. C'est ça, exactement. Toutes ces mécaniques de gameplay, effectivement, tu dis à un dragon d'aller à droite, il fait 40 tours sur lui-même avant d'y aller, t'es en mode allez, vas-y là. C'est ça, insupportable les dragons. J'ai sélectionné que 12 unités par 12 unités. Allez, les putains, ouais, c'était chez vous tous, là, on y va. Ah ouais, c'est ouf. Hein. C'est vrai que tu te dis putain, on en a parcouru. Hein. Elle est longue la cinématique, putain. Ouais, les cinématiques sont trop bien. Il y a une ambiance de fou, l'ambiance dark gothique est trop bien. En fait, la cinématique, fantasy, c'est du. Tu es dans la peau de Marius, un pauvre gars qui suit un rôdeur qui apparemment détruit le qui apparemment détruit le monde. Marius. Les gars, vous êtes où Marius, là? Parce que moi, depuis tout à l'heure, je suis dans le village, je vous vois pas. On est à l'acte 2. On regarde la cinématique toi, là, le lore, le roleplay, le lore. Je suis avec toi, Kian. On a parlé au. Tu parles à Wariv, Kian, et tu peux aller à l'acte 2. Si tu lui dis aller vers l'est. D'accord. Bah oui, connard. Ça y est, je l'ai. Ça y est, je suis à l'est, les gars. Yes. Il est à l'est. Voilà. Et donc là, tu vois, si tu fais tab, la ville est assez grande. C'est la deuxième ville du jeu, en gros. J'ai ouais, je voilà. Et la ville est vraiment assez grande. C'est très, très différent, pour le coup, en termes d'environnement. Donc. J'ai du mal à me dire que le jeu, il ressemblait vraiment à ça quand on appuie sur G, quoi. Effectivement, faudrait que j'aille voir. Mais ça me semble un peu trop pixelisé. Franchement, ça ressemble quasiment à de la Mega Drive, côté. Donc, ouais, le trait est un peu forcé, ouais. Moi, ouais, moi, je te dis, c'était plus beau que ça. Ouais, mais c'est obligé. Obligé. En quelle année 98-97, c'est obligé que ce soit plus beau que ça, quoi. Là, c'est en vraiment. En fait, je pense qu'il faut que tu zoom dedans. C'est du subit, là, c'est pas ce que je vois. Là. Appuie sur G. F. Tu peux appuyer sur G et après F et tu vois le zoom, effectivement. C'est vrai que c'est un peu. Je pense que ça ressemblait plus à ça, parce qu'en fait, là, on a beaucoup trop de pixels sur nos écrans par rapport à il y a 20 ans. Mm. Après, attention, là, la version Legacy, elle est en 800x600. Mais tu pouvais jouer en 1024 au jeu quand l'extension est sortie. Et en fait, c'est ça qui a vraiment débloqué le truc. Parce qu'en fait, en 800x600, le jeu était dégueulasse et il ressemblait effectivement à ça. Mais en fait, tu pouvais jouer en 1024, pardon. Du coup, en fait, on jouait en 1024, quoi. Ouais. Eh les gars, j'ai trouvé un boss là. J'ai trouvé un boss direct là. Un boss. Bah, c'est cool là. Un boss là, il y a Dr. Robotnik là. Putain, mais c'est pas vrai. Oh, il est mort instant. Mais si tu me ramènes tes mobs de merde dessus là. Je l'ai mute. Ces exploits de guerrier. Il me parlait aussi du terrible secret du noir fardeau qu'il portait en lui. Fais ton grain. Notre périple à travers ces étendues arides dura une éternité. Je perdis la notion du temps. Mais il me semblait qu'un grand nuage, sombre et terrifiant, suivait chacun de nos pas. Du sommet de la dernière dune, nous vîmes notre destination. La belle cité de Lutgolai, sertie tel un joyau par un océan scintillant. Nous établîmes notre camp. Était-ce la douceur du vent des sables ou la lente musique des vagues? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je m'endormis et le rêve revint. Mais de toute évidence, celui-là n'était pas le mien. Je recevais la vision d'un homme exceptionnel, le mage Talarasha. Vous étiez là aussi, Tyrael. Je me souviens vous avoir vu dans mon rêve. Les compagnons du mage avaient capturé un terrible démon, Baal, le seigneur de la destruction, qui répandait le mal sur la terre. Ils entreprirent de l'emprisonner au cœur d'une pierre sacrée. Devant l'échec de leurs multiples tentatives, Talarasha se sacrifia. Décida de faire de son propre corps la prison du démon. Il ordonna à ses compagnons de l'attacher dans une tombe, puis de l'enterrer à mille pieds sous le sable pour qu'il puisse combattre le démon à tout jamais. Maintenant,
Maintenant, tu sais tout, Marius. Le lendemain, nous prîmes le chemin de Lutgolain. Je n'avais pas la moindre idée, alors, des horreurs que j'allais y trouver. Attends, j'avoue, la cinématique, elle est voilà. Super clean. Hein. Ah ouais, donc c'était en 800, la... ok. La cinématique est ouf, hein. C'est ouais, la cinématique est jolie. Hein. Non, mais ils ont toujours été très forts, Blizzard, sur les cinématiques. Ah non, mais là, ils ont pas déconné sur le remake cinématique. C'est parce qu'il me semble que le remake de StarCraft, c'était pas du tout ça, les remakes non, de cinématiques. Non, en fait, dans les remakes de StarCraft, je crois qu'elles ont été refaites avec de l'IA un peu à l'arrache, entre guillemets. Ouais, alors mais que c'est là, les mêmes. Je crois qu'ils ont refait. Ouais, ouais, là, c'est full refait. Les Deburners. Non, StarCraft, ils ont pas refait. StarCraft. Ouais. Enfin, ils ont juste upscale et mis le truc un peu plus avec, à des formats modernes, quoi. Mais ouais, c'est ça. Là, ça a été entièrement refait. Et elles sont magnifiques, quoi. Franchement, c'est incroyable. Ah ouais, ouais. Après, les cinématiques de StarCraft, elles avaient tellement une. Moi, je me souviens, il y en a une qui m'avait tellement marqué, c'était celle des mecs qui vont péter le vaisseau, là. Et qui ont les canettes de bière dans le frigo, et c'est Alien. C'est juste Alien, cette scène. Elle est trop stylée. C'est trop cool. L'ambiance était ouf. Genre, il y a une cinématique de fou. En plus, ça te permettait de suivre l'histoire si t'avais la flemme et tout. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était bien. Bon, Alpha, t'as vu ? Ah oui, du coup, le désert, t'avais déjà vu, toi, parce que t'avais fait à l'Alpha. Non, moi, j'ai pas... Justement, je découvre, là. Ah, moi, t'avais fini la... Ah oui, t'avais... J'avais pas battu Andariel, mais j'étais... Le j'ai jamais joué à Diablo ? Quoi ? T'avais jamais joué à Diablo, toi aussi ? Non, le 2, non. Il avait le juste 1, joué à l'Alpha justement. Du jeu. Eh oui. Il y a un gars dans le chat, il a mis... Le No CD, tu te rappelles de ça? Le No CD. Ah, le CD, ouais. Sur les sites Warez où tu chopais des merdes à chaque fois. Oh, Warez, ah oui, les gens. Oh, mais on a quel âge? On est vieux, les gars, on est vieux. Ah non, mais là, c'est pas bon. Là, on parle d'un truc, laisse tomber, ça n'existera plus jamais en plus. Le No CD, t'as pris le No CD? T'as pris le Keygen? Le Keygen. Les musiques de Keygen a défoncé souvent. C'est clair. Ah oui, il y avait des musiques sur les Keygen, c'est vrai. C'était trop bien, franchement. Les gars, ils étaient des artistes, Damon en fait, les gars. Et alcool 120%, tous les bons softs. Elles étaient trop bien. C'est des burners. Oh, j'ai level up. Ah, la musique et tout dans la ville est vraiment stylée. Hein. C'est très cool. Hein. Je commence à en avoir pas mal des flèches en même temps, là. Je commence à faire beaucoup, là. Oh putain, y'a Voldo qui est mort. Ils esquivent les mobs! Y'a Voldo devant. Les mobs, en fait, c'est pas qu'ils esquivent, c'est que si t'es pas sur eux au moment où le sort arrive, ils le prennent pas quoi. D'accord. Mais non, ils esquivent pas. C'est plus viser, si t'es place et. Si t'es pas dessus, c'est pas de chance. Plus quoi. Faut viser, Fred. Mais y'a pas de mobs qui esquivent, effectivement. Eh les gars, je vous rejoins avec des petits compagnons, ça vous dit, hein? Ça vous dérange pas? Ah vas-y. Y'a des petits. Regardez, y'a des petits chiens, j'ai ramené des petits chiens! Tiens, voilà! Oh non, au secours! Moi, j'ai plus de flèches. Ah, ça va être là, la fin du game. On fait tellement zéro de dégâts là, c'est grave. Bah, c'est vrai, j'avoue, je crois que j'ai l'impression de faire juste une animation en fait. Là, maintenant c'est compliqué aussi. Là on fait pas grand chose là. En même temps, je me suis un peu rushé. Là on est en players 4. Donc ouais, les mobs sont scalés x4. Oh la vache. Oula. Un mob, plus de mana. Plus de mana, j'ai plus rien, j'ai plus de potions, C'est la faillite là, à chaque fois que je meurs, vous me redroffez mes potions. C'est faux. Ouais, ça va être un TP. Merde, putain, j'ai cliqué sur le TP, ah, il a fait quit. Il l'a mis en plein dans le fight. C'est bon là, je vous sauve la vie, ça va être bon. Vas-y, Sou. Putain. C'est la crise. C'est la crise. On voit pas quoi. C'est quoi le drone là que tu lances depuis tout à l'heure là? Il y a une sorte de drone là qui. Alors c'est une lame circulaire qui vole, mais c'est pas un drone. Un drone. Un drone. Ah putain, décassé mon drone. Ouais, c'est un truc qui fait des dégâts constants. C'est un drone, moyenâgeux quoi. Ouais, mais c'est terrible parce qu'en fait, tout à l'heure il m'avait filé 60 000 gold ou quoi. Je suis mort et maintenant j'ai plus rien quoi. Ouais, 60 000 gold, ça va. En fait, quand tu meurs, ça drop 50% de tes gold et le reste t'es perdu. Ouais, j'ai perdu. Moi j'ai récupéré 30 000. Mais tout le reste est perdu. Putain, quel enfer. Voilà. Ok, ah, les meutes de chiens là, c'est trop relou. Hein. Les meutes de chiens, il faut ouais. Plus de mana. Ça va vite. Ah, ça va vite, c'est chiant. Hein.
clone CD. Je fais exprès, t'es en train de me troller. C'est franchement, donnez-moi le PVP quoi, donnez-moi le putain de PVP. Donnez-moi le putain de PVP sur ce jeu. Attends, je t'envoie un MP sur Twitter, comme ça tu regardes ton téléphone. Ouais, vas-y. Mais là, le PVP, hein. Je sais pas si on peut l'activer là, comme ça, de base dans la game. Je crois qu'il faut l'activer avant. Je suis mort. Cliquez pour ignorer. Ah voilà. Hop. Les gars, c'est bon. Je pars de son hostilité. Allez, viens dehors. Et comment je fais, moi? Mais oui, mais j'ai pas de potion, j'ai plus rien, là, c'est pas du jeu. Ah, t'inquiète pas. Mais vous êtes morts, les gars. Non. On est pas mort, on est retourné à la ville. En plus, j'ai même pas mon truc pour faire des sorts là. J'ai même pas pris mon. Comment ça s'appelle là? Mon truc de merde là. Mon truc de merde. J'ai mon bâton, j'ai plus de bâton. Et t'as pas récupéré ton corps, c'est tout non? Non, j'ai pas récupéré mon corps. Il me tape au poing! Oh non, le respect. Putain, je sens que je vais hurler. Oh putain, la meute à l'aide. Les gars, au secours, hein, moi je suis. C'est moi qui me suis la meute depuis. Mais je fais zéro dégâts en fait. Ah. Tu fais vraiment zéro dégâts quoi. Kian, en fait, c'est pas ça, c'est que j'esquive. moi, je suis pas un. Désolé, Kian, je reprends mon dû. Mais moi, je peux pas me tirer en déplaçant, moi. Kian, il m'a taxé toute ma thune. Je vois pas ça brille, c'est joli. Ça brille, c'est joli, y'en a beaucoup. Farfadet des sables. Trop chiant. Mais c'est parce que j'avais pas mon bâton. Si j'avais mon bâton, ça serait passé différemment. Ah, je pense, hein, c'est ça. Hein. Bah ouais. Oui, évidemment. Évidemment. Bon, merci pour la game, en tout cas. C'est cool. Ouais, c'est chambé. C'est grave sympa. Bien rigolé, les gars. Très cool. C'est hyper sympa. Vraiment cool. Vous êtes où, Alpha JDG là? Ouais, je rentre à la ville. Merci pour la base. Il y a eu plein de rêves dans le chat, là, j'ai regardé. C'est vraiment des bars. Clone CD. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu celui-là aussi. Clone CD. Fais-moi un TP, Kian. Ah, il est mort. Fais-moi un TP Alpha là, je te rejoins. Ah ouais, moi je suis dans la ville. Hein. C'est quoi ça? Ah ouais? Tu veux un TP dans la ville? Ah, viens dehors, viens dehors. On ne passe pas. On ne passe pas. Ok. Ouais, ok, je suis dehors. Viens dehors là. J'arrive. Pourquoi il se met à marcher tout seul mon perso? Je lui demande rien là. Ouais. Allez, let's go. Voilà. 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 Et comment ça, il y a du PVP là? T'es pas au courant, moi? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui là? Bah, je fais rien là, pourquoi tu m'emmerdes? Fous-moi la paix! Bah, hey, pourquoi tu me tapes dessus? J'étais même pas dans le combat! Quel connard, c'est pas fou. Quel connard, il a dit! Mais t'as un mercenaire avec toi, c'est pas cool? Bah ouais, j'ai pas de bâton là, on t'a pas quelqu'un qui a pas de bâton. C'est bon. Ah, je m'en vais moi. C'est bon hein. C'est bon, pas venu ici pour souffrir. Pousse. Pousse. Mais mercenaire est en RTT en plus là, je peux pas, m'aider. C'est bon. Mais moi j'ai truc là. Ah, il y a des égouts. Incroyable, des égouts. Ah ouais, les égouts de fou. C'est le netcode quoi. Ça lag, pour ça que ça lag. On fait netcode par Moi je suis parti hein, ça lagait, ça lagait trop. Putain, mais je fais rien, je fais pas de dégâts, qu'est-ce que c'est cet arnaque? Regarde ça, je suis au cac. Je devrais te tuer en 3 coups, c'est quoi cette classe de merde? Bah ça va, j'ai des points de vie quand même, un peu de respect. Hein. Ah oui, évidemment, t'as des points de vie, tu dis ninja tous les loot et tout l'or depuis le début quoi. Oh là là, tout de suite, tu veux pas entendre. Putain, mais quel enfer, c'est impossible pour les classes cac. Les gars, j'ai un monstre bleu là, faut le tuer. Arrête de me tuer toi. Ah, t'as un monstre bleu là. Monstre bleu là. J'ai presque buté, mais j'arrive pas à le finir, vas-y. À moi. Il est content, il me vise. Laisse-moi aller récupérer mon corps. Ah, mais je vais me faire tuer là. Tu veux, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Quel bâtard, il a essayé de me finir. Ah, il a vraiment essayé de me finir alors que je fuyais pour ma vie. Je fais vraiment pas de dégâts en fait. Ah, regarde. Il me hait dès qu'il sort. Mais je sais pas, je veux récupérer mon corps, t'es au milieu. Comment on fait pour être en PK là du coup là? Mais laisse-moi. Bah, c'est du. Je vais porter plainte sur Pharos. Cyberharcèlement, ça suffit. Ah, je me fais fumer. Arrête de me tuer, moi. Voilà le pardon, truc bleu là. Mais bien sûr, bah non. Ah, je crois, j'ai pas de loot. J'ai plus aucun loot. Ah ouais, mais il a pris l'armure aussi.
Ah non, pas moi. Mon bâton, il n'existe plus parce que je suis mort sans le récupérer, on me dit, d'accord. Si tu veux, toi, là. Bah attends, mais je vais te faire un câlin, mec. Je vais te faire un câlin. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il fait, l'autre, là? Qu'est-ce qu'il veut, l'autre? Je te touche même pas, en plus, c'est ça qui est ouf. Faut se mettre en player killer ou pas? Si, il faut, hein, mais tu dois pas avoir assez de dextérité, peut-être, je sais pas. Vas-y, tu casses les couilles. C'est un manque de talent, là. Il fait trop mal avec ses flèches de lumière. Au secours. J'ai déjà me tué. Oh, c'est bon. Moi, je mourrai pas. Ah, bien sûr, lui, il se passe planquer dans le camp. J'ai plus aucune potion. Aïe, aïe, aïe. Le mec qui fait du corps, enfin, qui se fout dans le camp pour taper de loin, quoi. Non, mais il est ça. Oh, putain. Appuie sur W, JDG, là. Ton bâton, tu l'as encore, non? Non, je l'ai plus, je suis mort sans le récupérer, donc j'ai plus. C'est impossible. Plus de potions, moi. Bah, en fait, je sais, mon premier corps, il est mort super loin et je veux pas l'indicateur sur la map. Plus de potions, on peut plus jouer. C'est pas possible, sinon t'aurais plus de stuff. Bah, je n'ai plus de stuff. Mais si, t'es pas tout nul, hein. Bah, j'ai... T'as du stuff un peu, là, non? J'ai une ceinture et des gants, quoi. Ah, ok, t'as plus de stuff, du coup. Eh, t'es magicien, fais ta magie. J'avoue, fais-toi du stuff, là. Bon, il me saoule, ce mode, là. Oh, ah ouais, mais il empoisonne aussi, il est pas marrant. Mais t'as pas de plus. Oh, des potions. Mais quel bâtard. J'en chie de ouf. Tu sais qu'en vrai, j'en chie grave, hein. C'est pareil, distance, c'est chaud, hein. Arrête. Arrête. T'es sauvés tous les deux, là. Je me balade. Aïe. J'ai envie d'esquiver ça. Aïe. Si tu veux, c'est bon, je me casse. L'autre fait des AOE. Tiens, viens, Ken. Viens. Non. N'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi. Vas-y, mais j'ai pas de stuff, j'ai pas de dégâts. Regarde ça. Je te fais zéro de dégâts. Je te fais zéro de dégâts. C'est incroyable. Oh putain, comment il rage. Est-ce qu'il faut activer un truc pour pouvoir se frapper ou pas? Non, mais normalement, tu peux me frapper. Hein. En fait, si je peux te frapper, tu peux me frapper. C'est ça la règle. C'est quoi l'icône de tête de mort en haut à droite? Ça veut dire que t'as le TP activé. Je peux pas me TP. D'accord. On me dit qui te revient, ça fait repop le corps apparemment. Oh, c'est trop dur là. Mais je pense que t'es en ville là, non? Ah putain, je m'en vais, hein. Je suis en ville là. Mais reviens là. Il découvre les plaisirs du PP de Diablo 2. Non mais trop, ma vraie question, le corps à corps. Non mais c'est à chier. C'est faisable. Trauma, commence pas à nous parler du PP de Diablo, c'est bon. C'est compliqué quand même. Je sais pas si on peut se déplacer en même temps que faire des sorts en tant que mage, ou est-ce que t'es obligé de t'arrêter? Non, ouais, tu dois t'arrêter. Mais en fait, ouais, en fait, à la fin, tes sorts vont. T'as des capacités pour que tes sorts aillent plus vite, entre guillemets, et du coup, tu peux. Tu peux aller derrière les gens. Parce qu'en fait, après, t'as la capacité de téléportation qui est le truc le plus utilisé de la sorcière, qui permet d'aller link à un endroit un petit peu derrière. Ouais, d'accord. Bah, si je regarde les sorts un petit peu, bah j'ai. Télékinésie, non, c'est pas ça, c'est pour les objets, ça. Ouais. Ah oui, téléportation, je le vois. Je suis sûr que t'as un autolock là sur tes flèches, là, tu pisses trop bien, c'est pas possible. J'ai un autolock. Ça, tu t'arrives à anticiper où je vais? Bah, j'essaye, mais bon. Tiens, je te fais un cadeau, viens, je te fais un petit cadeau, viens ici. Bon, bah, en tout cas, merci à tous hein, pour la soirée. Ouais, c'était très cool, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On continue là ou on arrête là? Non, moi, on peut s'en aller, pas de problème. Je vais stopper là. Surtout Alpha et JDH qui avaient découvert le jeu. Bah ouais, franchement, en vrai je comprends vraiment pourquoi le jeu est un peu addictif et pourquoi il est... Parce que c'est vrai que ça en 97, 18 là, ça devait être ouf. Ouais, c'est un truc de fou. Ça devait être franchement. Moi ce que je trouve ouf, c'est l'évolution entre le 1 et le 2 en mode... Là l'acte 1, ah, c'est juste Diablo 1 et ensuite... Diablo 2, ce que j'ai compris, c'est vraiment le Diablo 1 qu'ils ont surperfectionné. C'est le 1 complètement abouti sans défaut quoi en fait. Mais en vrai, est-ce que c'est le jeu le plus connu de Blizzard? Franchement, j'hésite entre ça et Warcraft. Non, c'est Warcraft. Je pense que c'est Warcraft. Ouais, c'est Warcraft. Ouais. Je pense World of Warcraft, c'est le plus connu. C'est WoW de loin. Hein. Je sais pas. Beaucoup de gens. WoW, c'est probablement Diablo, en vrai. Ouais, voilà. De quoi? Avant WoW, c'est peut-être Diablo, en vrai. Après WoW. Tu penses pas que Starcraft est plus connu que Diablo? En fait, Starcraft. Non, je pense pas. Moi, je pense. Ouais, hein. Je pense pas, mec. Warcraft, c'est quand. Enfin, Warcraft et Diablo, c'est les deux licences les plus fortes. J'ai l'impression que Warcraft est plus connu, mais genre qu'il y a plus de gens qui ont joué à Diablo, tu vois. Ah non, par contre, ça, je suis pas d'accord du tout. Ah, non, parce que tu vois, les. Ben, mais le truc, c'est Warcraft. Warcraft, c'est un STR, tu vois, c'est quand même. Mais non, moi, je te parle de WoW.
Oui, mais tu parles de Warcraft 3. Tu sais qu'il y a eu un truc avant Warcraft. Même Warcraft 3. Il y a eu le jeu Warcraft. Ouais, bien sûr, mais même Warcraft 3. Non, mais de toute façon, c'est sûr que dans la trio, dans la triade Starcraft, Diablo, Warcraft, avant Warcraft 3, c'est Diablo. Après, je pense que c'est Warcraft 3. Et après, je pense que c'est WoW. À mon avis, c'est dans cet ordre-là, tu vois, les plus. Ah, cool, Warcraft 2, ça a été une révolution en termes de, ouais, en mais termes c'est... de jeu. C'était niche, quand même. Point and click de stratégie. Les RTS, c'est quand même une niche qui était. Ouais, voilà. Qui était quand même assez particulière. Tout le monde ne jouait pas à des RTS, hein, ça attirait pas tout le monde. Ah, peut-être. Et pensez pas que des jeux comme Overwatch. Si, c'est sûr. C'est Hearthstone, on transcendait après. Après WoW, je pense que c'est Overwatch le plus connu, clairement, maintenant. Et après, il y a eu Hearthstone, effectivement. C'est clair que faut pas sous-estimer ces jeux-là. Et bien sûr, la mort et le retour de Superman sur Super Nintendo, qui est aussi un jeu bizarre. Voilà. Ah ouais ? Ouais, bien sûr. Complètement. Bah, ils ont surtout fait avant, c'est quoi, c'est Rage Racer ? Enfin, Lost Viking. Non mais oui, il y a Lost Viking, mais il y a le jeu de course aussi. Blizzard Arcade ? Non, Blizzard Arcade, c'est le truc où ils ont ressorti les vieux jeux, mais je sais plus comment ils s'appellent leur jeu de course. Ils avaient fait un jeu de course. Ah, j'ai oublié. Je crois, c'est pas... Rock'n'Roll Racing. Ah c'est ça, Rock'n'Roll Racing. Oui, j'ai pas joué à ça. Qui était très très bien d'ailleurs. Lost Viking. Lost Viking, c'est... le concept est incroyable, mais je pense que c'était trop tôt pour le... Ouais. Bah, et puis c'était, niveau ambition... C'était Trine, en fait. C'est une petite équipe. Super NES, en fait. Ouais, c'est un peu Trine, ouais, c'est vrai. C'est complètement, tu switches des personnes, des compétences, ouais, c'est Trine. C'est vrai. C'est Trine, mais sur Super NES, quoi. Du coup, c'était un peu... C'est vous, Trine. Vous avez pour l'heure. Bon, j'ai pas l'oreille d'Alpha, là. J'ai l'oreille de tout le monde, sauf celle d'Alpha, là. Quoi ? Bien duel dehors, là. Non. Je parle à un mec qui vient de me dire « J'ai pas mal bourlingué, ouais. » Vous avez bourlingué. Alors, moi, je suis un assassin pacifiste. Je vais m'établir commerçant, je sortirai plus jamais. Regarde ce que j'ai dans mon inventaire, là. Qu'est-ce que t'as que... Mais c'est dégueulasse, c'est... Allez, ramons mon oreille. Hop là. T'as combien d'oreilles à moi? Calme, j'ai même 3 oreilles, là, de lui. Ah ouais, mais moi, je te tapais, j'étais vraiment... C'était... Je sais pas, en fait. Ah, je crois que j'ai un bug. Pourquoi je peux pas la remettre? Ouais, je peux plus utiliser... mon oreille. Mon interface marche plus. Ouais, en fait, quand tu tues quelqu'un en PVP, il drop son oreille. C'était un peu la preuve que tu l'avais tué, tu vois. Sur Internet, ouais, tu disais, putain, j'ai l'oreille de machin. Ouh, attendez. Ouais. Incroyable. L'oreille de mec connu. Incroyable. Ok, moi je peux plus utiliser mon clavier. J'ai l'oreille de. Non, c'est normal, t'es en ville. El Cantar. Non, mais je peux plus utiliser du tout mon clavier. Genre, j'ai pas le menu, je peux pas faire échappe ni rien. Comment ça? Bah, imagine mon clavier, il y en a pas. Genre, littéralement, là, je peux pas utiliser mon clavier. Terrible. Si, je peux juste zoomer et mettre en mode legacy, mais échappe, il veut pas. T'es un mec bizarre. Inventaire, il veut pas. Ah, non, mais je crois que j'ai un petit bug. Bizarre. Tiens, comment ça rame quand je suis en mode G là? Au secours. Mode G, ils ont forcé le trait de ouf. En G mode. Ouais, en G mode. Ah oui, ah oui, la tenue de l'assassin en mode G, c'est... Ah oui, c'est particulier. Hein. Ah, ouais. C'est très dévêtu, hein, putain. Oui, ils lui ont mis En fait, c'est un pantalon. Les persos se rhabillent quand tu remets les détails. Attends, en fait. C'est pareil. Regarde, je sais pas si tu vois. Ouais, Amazon, c'est vrai que c'est très dévêtu aussi. T'as vu? On voit mes fesses quand je cours là, regarde. Et en fait, dans la vraie version, en fait, c'est un pantalon beige. En fait, moi, pareil, dans les graphismes nouveaux. En fait, c'est une jupe de maille. Bien sûr. Les fameuses jupes de maille. Bien sûr. Merci. Il y a des gars dans le chat là. Merci les gars, hein. C'est cool là. Elford Gaming là, qui... c'est cool. Et je remercie les gens dans le chat, les gars, désolé. Vas-y. Je sais pas si ça... Ouais, ça se fait sur Twitch. Ouais, bah, bien sûr, évidemment, bien sûr. Okay. C'est trop pas mal. Vraiment un plaisir de voir. Le début, tu le fais, après, bon... merci. Après, la magie disparaît, quoi. Bon, allez, mais moi, j'ai filé, du coup. Bah, des bisous. Bah ouais, prenez soin de vous, les gars, c'était très cool. Salut. Des bisous, les copains. Merci pour la session. Trop sympa. À refaire, les gars. Merci beaucoup. Et merci pour ta guidance, mon cher Zera. Et le cadavre de Kian. Bisous. Ciao les gars, ciao. Voilà. Ouais les amis, c'est Diablo 2 Resurrected. Resurrected. Ah, vraiment, l'upgrade graphique est vraiment cool. Et moi, je suis super satisfait des cinématiques. D'ailleurs, je vais regarder maintenant les cinématiques. La cinématique d'intro, du coup. La plainte de la sœur, je crois que c'est ça. Parce que ça, du coup, j'avais vu moi sur la version alpha, sur la technical alpha, la version à l'ancienne, qui était un bon, voilà, qui a pris un coup de vieux. Mais je suis très curieux de voir la nouvelle. On va regarder ensemble. C'est
Parce que si c'est du niveau de celle que j'ai vue après... Ah ouais, c'est ça, putain. Putain, elles rigolent zéro, les araignées, chez eux. On va regarder ça, et puis ensuite, je pense, on va aller sur Kena, les copains, pour essayer de finir le jeu. Ah la vache, ah ouais, putain. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne version. Ça aurait été bien une touche pour mettre l'ancienne cinématique aussi à certains moments. Non, c'est pas Descartes, c'est Marius, ça, je crois. Alors, Marius, je te trouve en forme. Tyrael, mais oui, c'est vrai. Je vous reconnais, vous. Vous ne pouvez montrer votre visage. C'est eux. Ils nous surveillent. Je te cherche depuis bien longtemps, Marius. Je commençais à croire que tu ne voulais pas que je te trouve. Ouais, le lip-sync en français, pardon, il a été fait pour la version anglaise. Ce n'était pas ma faute. Pas ta faute. Vraiment, Marius. Et de qui serait-ce donc la faute? C'était le rôdeur. Oui, c'était lui, le rôdeur. Mon séjour à la citadelle des rogues semble si loin. Déjà, je cherchais à fuir mes souvenirs en compagnie d'autres exclus dans la montagne, au-delà de la porte de l'Orient. Que désirez-vous ? Je m'efforçais de ne pas dormir, car mes rêves me plongeaient dans le sourire. Je me rappelais le monastère et le mal qui l'avait emporté. Mais, où est mon sens ? Mon esprit était brouillé, confus. Poursuivi jusqu'ici. Comment m'avait-il trouvé? C'était donc lui. Cet homme brisé, à peine capable de supporter le fardeau de sa propre épée, qui m'avait effrayé au point de me retrancher ici. Il semblait lutter pour contenir les démons qui le possédaient. Mais enfin... Putain, les mobs ils sont dégueux. Je me regarde, persuadé que la folie m'avait emporté. Une terreur de destruction. Mal en personne. Comment l'expliquer? Ces démons, s'étaient-ils échappés de mes sons? La carcasse du robot.
C'est de la bonne. Je le suivis. Pourquoi? Je l'ignore. Ouais, faut appeler le Doomguy là. Réalité, c'est pas vite réglé. Se confondent. Mais je sais que je ne pus résister à son appel. Je devais le suivre. Et nous partîmes ensemble vers l'Orient. Toujours vers l'Orient. Ah ouais. Ouais, j'avoue, la nouvelle... Putain, la cinématique, elle est... Ouais, elle est caillée. C'est juste, ouais, les synchros labiales, vu que c'est le son de l'époque, bah forcément, c'est pas, ça pêche un peu sur l'audio. Mais ouais, hein. J'ai maté l'ancienne cinématique en même temps, c'est vraiment impressionnant. Ah ouais, ouais, l'ancienne cinématique, putain, rien à voir. Ça date, hein. Oh, c'est bien joué, hein. Non, pour le coup, c'est un bon, c'est un très très bon remaster, hein. Là-dessus, ils ont assuré, bizarre. GG à eux. GG à eux. Et ben voilà, écoutez, mesdames et messieurs, ça va terminer la partie Diablo de ce stream. Merci à Blizzard qui ont sponsorisé ce segment. Maintenant, mesdames et messieurs, on va passer à Kena. On va essayer de finir. Alors, je ne sais pas si je pourrais finir ce soir, mais ce n'est pas la fin du stream, bien évidemment. Je ne sais pas quand je rejouerai à Diablo, si j'aurai le moyen d'y rejouer aussi soon, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont s'enchaîner. Ouais. C'était vraiment cool. C'était vraiment très très cool. L'ancienne cinématique était vraiment une tuerie à l'époque déjà. Ouais, déjà à l'époque, il y avait une ambiance de fou. Il y avait vraiment vraiment une ambiance de fou. Et du coup, ce Diablo Fraise. Écoutez, Diablo Fraise, compliqué. Non, le Diablo Fraise, c'est-à-dire que au début, c'est une autre agence qui m'avait contacté concernant une OP sur Diablo 2. Et il me proposait de faire un truc... Il me proposait de faire un truc fun et il se peut qu'il m'ait proposé des trucs à base de vous faites du diabolo ou vous buvez un diabolo ou alors vous allez streamer dans un sauna ou dans un endroit où il fait très chaud pour inspirer le fait que vous êtes en enfer. Et j'étais là. Attends, ouais, peut-être pas, non, du coup, pas sûr. Donc c'était spécial. Mais en vrai, je sais même pas si c'est l'agence ou si c'est quelqu'un chez Blizzard qui avait proposé ces idées. Ah, toujours est-il que j'étais en mode non, mais on va faire ce que j'avais prévu de faire. Je pense que c'est mieux. C'était pour ça le sauna de Zerator. Pourquoi le sauna de Zerator? Il y avait un sauna avec Zerator? Comment ça? Ça ressemble au petit département market en roulis. Ouais, un peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Enfin bon. Bon, en tout cas, on va aller sur Kena.